Chibi. Et quelle magnifique intro, les gars! Ah, je sais qu'il y en a 2-3 qui aiment pas ce jeu, hein. Monsieur Grand Cornichon, Monsieur Gio, ils aiment pas ce jeu, mais c'est pas gentil. Mais non, évidemment. Ah là 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 là. C'est vrai, Asmo, salut Shining. Il fallait faire Sonic 2006, c'est plus intéressant. Oh, Sonic 2006, mais quelle purge! Attends, par contre, j'ai diminué un peu le son, j'ai l'impression que c'est hyper fort. Mettre ça là. Ah, hop! Voilà. Sonic and the Black Knight. Celui-là, j'ai pas trop joué d'ailleurs, Sonic and Black Knight. Pas trop joué, j'avais fait les quelques premiers niveaux, mais c'est tout quoi. Attendez, je partage du coup. Tac, tac, tac. Tac. Putain, je sais même plus dans quoi c'est. C'est quoi ça? Ça, je m'en fous. Hop. Hop. Gardez-moi 30 secondes. Hein. Oh putain, mais minière ce téléphone. Gardez-moi 30 secondes, hein, les gars. Paniquez pas. Je partage le lien. Alors, il y a une chose que je peux déjà vous dire sur le jeu, c'est que donc j'ai pris la version PC donc sur Steam, mais j'ai rajouté un patch qui s'appelle donc Sonic SADX, non Better SADX, qui permet en fait d'avoir les vidéos de la version Dreamcast, les graphismes de la version Dreamcast. Mais aussi la possibilité d'avoir une meilleure résolution par rapport au portage Steam,
Le support des manettes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, ils ont ajouté pas mal de choses intéressantes. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester ce petit patch-là, voir ce qu'il vaut. Hop, allez. Cette fois, on est good. Tac, donc j'ai essayé tout à l'heure, vite fait, hein. Vous me direz si le son est good, tout ça, tout ça. Ça, c'est bon, voilà, ça marche. Le langage, il est bon. Allez, hop. Donc, on va commencer avec Monsieur Sonic. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, Redoc, t'as arrêté le live pour ça? Mais non. Voilà. Il a arrêté Tomb Raider pour Sonic Adventure. Aïe, 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 aïe. Alors, comme je disais, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ce jeu, mais moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Sonic Adventure. Alors, j'ai découvert le 2 avant le 1. Le 2, c'était. C'était en quelle année que j'ai découvert ça? J'ai découvert le 2. Oh, ça doit être début des années 2000. Début des années 2000, ouais. En fait, pour tout vous dire, j'avais fait ma communion et puis j'avais reçu une télé avec la GameCube. Et un des premiers jeux, c'était Sonic Adventure 2. Et par la suite, bien des années plus tard, je crois que c'était au Cura, si je dis pas de conneries, il faisait des promos sur des jeux GameCube et il y avait Sonic Adventure DX. Et comme je connaissais pas, je me suis dit, tiens. Est-ce que je connais pas cet épisode, donc du coup je suis allé le chercher et bah, franchement c'est pas mal hein. Vous avez pris un énorme pied à le faire le Sonic Adventure hein. Les deux. Tu utilises mon micro gamer. Pourquoi? Ah il y a l'écho de nouveau d'Arjack. C'est pas impossible hein. Attends. Redites-moi s'il y a de l'écho, les gars. Il y a des anneaux partout, ça ne semble pas déranger les flics. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'écho. Un peu étouffé. C'est peut-être parce que je suis un peu loin du bousin. Là, non, je suis un tout petit peu plus près. Tac, je regarde si au niveau du son j'avais. Pourquoi lui il parle? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ouais, non, j'ai pas touché au son du micro. Donc vous me direz si c'est bon ou pas, mais j'ai rien touché. Hein. Après là, c'est la caméra de la PS3 hein, que j'utilise comme micro. C'est pas le micro d'habitude, hein, le professionnel. Du coup, Shining, t'as pas aimé les deux dans Sonic Adventure? C'est vrai que c'est un délire quand même. Hein. Merde, les Sonic Adventure, avec les humains et tout, les missions qui sont propres à chaque perso et tout. C'est sûr qu'on n'est plus dans Sonic Adventure, Sonic Mega Drive. Hein. C'est sûr que si tu connaissais que cela. J'aimais beaucoup la chasse des émeraudes avec Knuckles, la pêche avec Big. Amy, par contre, c'était un peu casse-couille avec son marteau là. C'était pas très intéressant. Tails, c'était la course avec Sonic, ça aussi c'était un peu relou. Ah le robot E103 gamma E102 gamma lui il cherche la grenouille. Ah oui on peut réutiliser le micro de la PS4. Mais ce qui est sûr avec le micro de la caméra PS4 c'est que tu peux pas la brancher sur PC contrairement à celle de la PS3.
On dirait que Gamer stream depuis ses chutes, le son de sa voix est bizarre. Non mais sérieux, il y a vraiment un son bizarre avec la caméra là ou pas? You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction. Parce que c'est pas impossible qu'il y ait un tout petit souci. Hein. Des fois, il faut que je... Ah ouais, il y a le now saving et tout. Il faut que je débranche et que je rebranche la caméra. Désactive la mise en veille du téléphone. C'est un projet à long terme. Merde, c'était dans quoi encore? Hop, voilà. Comme ça me fera plus chier. Alors, Sonic Adventure sur la Dreamcast. Non, mais je les ai, si je dis pas de conneries. Attends, je suis en train de regarder. Ouais, je les ai sur la Dreamcast. Je les avais achetés. Je les ai achetés il y a quelques années de ça. C'est comme si tu étais enfermé dans un placard, ça semble renfermer du stream. Le rendu est étouffé. Oh putain. Je vais quand même essayer un truc, attendez. Avant, je vais juste vérifier dans OBS qu'il m'ait pas mis le son. Eh si! Putain, mais il m'énerve ce truc! Attendez, je comprends mieux pourquoi c'est étouffé. Hein. Bougez pas. Ah ouais, mais il me le propose même pas, c'est quoi ce délire? Oh là 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 là, mais j'en peux plus de ce matériel de merde! Ah, bah oui, mais non, mais attendez, c'est pour ça. Ah, et là, il est même pas, en fait. Putain, me dis pas qu'il faut que je relance tout, hein, parce que alors là, je crois que je casse le PC. Hein. Mais je vais tout casser. Alors. Heureusement que vous l'avez entendu, les gars. Mais oui, pourquoi, mais... Restons calmes, restons calmes. Voilà, là ça devrait être mieux. Oula, c'est un peu fort. Diminuer le bousin. Diminuons, réduisez mon vieux, réduisez, voilà. Ah, ah c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Bon là normalement je vois, c'est dans le vert. Ah, peut-être le mettre là encore même. Hein. Ouais, là ça me semble pas mal. Ici. Ici, là, non, là. Au milieu des rochers. Et donc là, je vois aussi que... Donc tu me le dis d'ailleurs, je crois que c'est Doc. Attendez, parce que... Oula, 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 vous avez marqué beaucoup de messages là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. Il y a un souci avec l'écran de jeu, c'est pas centré. Voilà. Donc, maintenant, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Ah, regarde-moi ça, si c'est pas beau ça. 30 ans d'OBS là. Tu les as vus ou pas? Hop. Donc maintenant, le jeu, il est où? Hop, il est là. Parfait. Eh ben, on va y arriver, hein. Paniquez pas. Qu'est-ce qu'il a foutu le... Mais j'ai rien foutu, c'est ça le pire. Je comprends pas. Parce que la caméra de la PS3,
elle s'est pas mise dans le paramètre OBS alors que je le mets toujours par défaut. Trop bizarre. Il nous nique les tympans maintenant. J'ai coupé le son. Ah là là. Bon, du coup, là au moins, je pense que le son du micro, il doit être largement mieux. Tu m'étonnes que ça devait être dégueulasse. C'était le son du micro du casque. Il est tout pourri. Bon, maintenant, j'espère que le son du micro, il est assez haut. Voire pas trop haut. Rappeur à l'incroyable musique de Sonic Adventure. Sinon, on réduira. Le son est good, ne casse pas ton PC, ça coûte un bras. Ah bah oui. Et oui. Je le sais bien. Sauf que c'était un PC que j'avais assemblé moi-même et tout. Oui, ça coûte un bras. Pour faire un nouveau, il faut des dons, voilà, c'est ça. C'est ça la solution. Attends, j'essaie de lire du coup. Elle est plutôt belle cette mage de Minecraft. Oh là là. Monsieur Keitaro, bien le bonjour. Hein. Effectivement, nous ne sommes pas encore vus. C'est plus beau que le jeu original. Bah ouais. Du coup, c'est grâce au patch, ça. Hein. Et c'est les fans qui ont fait ça parce que la version Steam, elle avait l'air de déconner de base. Donc, incroyable. Et le mec, ils te vendent ça à 8 euros. Bon, c'est pas non plus 40 balles, mais bon, 8 euros et il... Oula, il corrige pas les bugs. Ah, d'accord. Ah, d'accord, monsieur Steam. Il y a quand même l'air d'avoir quelques petits bugs, mais bon. En même temps, c'est des fans qui ont fait les patchs, hein, donc. Faut pas leur en vouloir. Ils ont tenté de sauver les meubles. Tellement possédé à Sonic 2006, j'espère que tu feras ton tour. Valkyrie va adorer. Ouais, c'est ça. Tu m'auras pas, Doc. Hein. Avec ton vieux Sonic 2006 dégueulasse. Ah, là, là. Jamais je toucherai à ça. Hein. Plutôt mourir. C'est un peu saccadé. C'est saccadé vraiment? Est-ce que c'est vraiment saccadé ou pas? Attends, je vais mettre en 720, 60. Ouais, ça a l'air bien saccadé, ouais. Travaille avec des saccades. Hein. Attends, test en 720. Ouais, non, mais je viens de le mettre sur le téléphone. Effectivement, c'est saccadé. Putain, c'est chiant. Bah ouais, à mon avis, il faut que je vire le 60 FPS. Hein. À tous les coups, c'est ça. Hein. Je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est chiant. Ouais, écoutez, je vais virer le 60 FPS. Ça va couper 30 secondes. Hein. Paniquez pas. Bon. Est-ce que ça a l'air mieux là? J'ai mis à 50 pour voir. D'habitude, sur OBS, je le mets à 30. Ouais, non, là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon.
Ah, le PC, je pense qu'il n'arrive pas du tout à faire du 60 FPS. Je pense que ma carte graphique, elle est vraiment beaucoup trop âgée pour faire ça. Ouais, ça a l'air mieux là. La version DX, celle-ci sans les patchs sur GameCube PC, était plus buggée que le jeu sur Dreamcast. Sérieux? Ah non, je... Oula! Je ne le savais pas, dis donc. C'est un scandale. Mais j'ai appuyé. Je ne le savais pas du tout. Après, comme dit, moi j'ai vraiment fait que la version GameCube, enfin DX sur GameCube, donc ah, je peux pas vraiment comparer à la version originale. C'est tout joli avec les petits dauphins. Par contre, je suis en train de voir, il n'y a pas un espèce de bandeau dégueulasse là en bas. Attendez voir. Ah, si, un espèce de bandeau dégueulasse. C'est quoi ça? Ah, il y a un bandeau dégueulasse en bas. C'est quoi ça? Il y a un espèce de petit bug. Putain, j'en peux plus. Ah, Jeanne, au secours. Ah, il y a un petit bandeau. Ah, je crois qu'il a disparu, c'est bon. Ça a disparu. Le bandeau, c'est une pitié. Ah, j'en peux plus. Ah, il n'y a pas un stream qui va bien se passer. Ah non, c'est trop demandé. Ah, je vous jure. Trop vieux pour ces conneries. Tadam! Une émeraude! Donc Radical Highway. Je vois lequel tu parles. Je crois que. Attends. Avec Tails, tu fais la course contre Robotnik, il me semble. Et Sonic, je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que tu fais avec Sonic? Mais je vois quel niveau il est bien, ouais. Il est pas mal. Ouais, je veux bien Shining la vidéo pour voir. Là. Ça m'intéresse. Tout est dégueulasse depuis le début. Oh là là. Darjak. Mais c'est honteux. Oula. Ah oui, ça c'est vrai que c'était une des spécificités, c'est qu'on pouvait voyager avec deux autres environnements, c'était Mystical, non pas Mystical, Mystic Ruin, voilà. Et l'autre, c'était quoi? Je m'en souviens plus. Non, oui, il y avait ici et Mystic Ruin. Et oui, il y avait la jungle, voilà, c'est ça. Je crois que la jungle, elle était ici, voilà, ouais. Il faut aller dans le chariot et ça nous mène à la jungle. Voilà, c'est ça. C'était ça. Les animations faciales, c'est quelque chose. Je regrette pas d'avoir arrêté mon live, j'ai déjà eu plein de moments de rigolade avec ce début catastrophique. L'enfoiré. Loser, po. T'as jamais fait le second opus d'Arjack? Ah bah, à choisir entre le 1 et le 2. Honnêtement, moi je choisis le 2.
Le 2, il est quand même beaucoup plus dark. Et l'histoire, elle était vachement cool. Hein. Et même au niveau des différents gameplays, c'était pas mal. Ça se renouvelait quand même assez régulièrement. Ouais, à choisir, franchement, je pars sur le 2. Hein. Clairement. Je suis en train de zioter le live en même temps. Ça a l'air fluide. Hein. Si jamais il y a un truc, vous me le dites. Oh, espèce d'en... Je suis en train de regarder OBS. Non! Non! Oh! Failli crever avec ces conneries. Mourir sur le premier boss. Non, mais ça aurait été la honte. Hein. Allez, mon j'aille ça, tête d'œuf. Ouch! Oh, quoi? Je me prends un dégât, mais bien sûr. Eggman ou peur dans son fauteuil pro. Ah là, il y a du photomontage à faire là. Il y a quelque chose, on tient quelque chose. C'est un fauteuil gamer. Well, that wasn't so hard. Ah, ah. Il a pris le don. Prends le don, espèce d'escroc. Oh non, isn't that the same monster I saw the other day? Il a fait semblant d'être mort. T'as vu ça un peu le jeu d'acteur et tout. Par contre, Kers, il était vachement stylé comme boss. Hein. Moi, je préférerais faire Gilbert Land. Hein. T'aimes bien l'ambiance du jeu? Bah, franchement, elle est stylée. Les musiques, elles sont super. Je sais pas, elle te met vraiment dans l'ambiance du jeu carrément. Celle-là, elle est magnifique. Enfin, magnifique. Pas abusée, mais. Elle est, je sais pas, elle est prenante. Elle a un sacré rythme. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que du coup, j'ai pas lu. Je m'en rappelle plus. Si, je crois que. Faut pas aller à l'atelier? Non. Ah non, faut prendre ça, là, l'espèce de clé. Mais non! Prends la clé. Voilà. Ah oui, Winstone. Voilà, ça je sais où c'est. C'est là. Oh, par contre, vache, il court vite, Sonic. Hein. Oh la vache. La caméra, elle a du mal à suivre, c'est pas simple. Le gameplay d'Amy plus la pêche. Ah mais la pêche, franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, je trouvais que c'était des niveaux détente. Moi, j'aimais beaucoup. Par contre, Amy, ouais, j'ai un peu moins aimé avec son marteau. Ça me... Je sais pas. Ça me gavait un peu. Bon, après, honnêtement, les histoires annexes avec les autres persos, c'était pas très long. Hein. Sonic, c'était vraiment le plus long. Tu mettais quoi? 2-3 heures, on va dire, avec Sonic. Avec les autres, en une heure, c'est vraiment plié. À moins de mourir tout le temps, franchement, ouais. C'est très très vite plié. Tails, il y a vraiment moyen de rusher, parce que c'est que des courses. Tu prends des raccourcis à tire-larigot et c'est bon, quoi. Mais je sais comment ça marche. Oh là 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 là. Knuckles, ouais, Knuckles, ça c'est une des phases que j'ai le plus aimé.
Alors, avec la recherche des émeraudes, ah, franchement, c'était génial. Et ça, ils l'ont repris dans le 2, heureusement. Le jeu se déguste un peu comme on mate une série sur Sonic. Bah, ça dépend comment tu la regardes. Hop, allez, petit raccourci. Passe en mode speedrun, pas le temps. On n'est pas ici pour essuyer la vaisselle. Hein. Ouh la vache. Pour l'instant, le patch a l'air de bien marcher. Hein. Parce que du coup, ça me faisait un peu peur, hein, cette patch. Non! Un petit peu comme ça, quoi. Salut la chineuse! Wow, la cam! Ah merde, j'ai voulu prendre un raccourci. Bah, je me suis bien foiré, dis donc. Salut Marino! Marino qui arrive pile au moment du fail. C'est honteux. Je sais plus si tu les avais fait toi Marino ceux-là. Je sais plus du tout. Allez mais. Ah oh, la caméra c'est compliqué quand même. La vache. Je vais retenter mon coup de speedrun là. Oh, ça, c'est bon, c'est passé. En tout cas, c'est vrai que ça rend plutôt joli avec le patch. Hein. Parce que quand j'ai allumé la version Steam, oula, c'était très dégueulasse. Hein. Une émeraude. On essuie pas la vaisselle, mais on essuie les remberdes. Ah, c'est plus intéressant, c'est pas pareil, voyons. Musique de Sonic 3D Blast. Green Groove. Ah ouais? Oh, je l'ai même pas reconnu. Green Groove. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, dis donc. Attendez, faut que je me rappelle des différents endroits où aller. Donc là, on a la deuxième émeraude. Je crois qu'il faut retourner à Station Square. Hein. Je crois que là, c'est... Ouais, c'est ça. Il faut aller à Station Square. Et il faut aller au casino, si je me rappelle bien. Je crois qu'il nous l'indique. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais si, voilà, il y aura un autre environnement. Bon, je vais pas vous le dire. Ceux qui connaissent forcément, voilà, ils savent très bien, mais il y a encore un autre environnement. Thaïs qui fait des avances au caméraman. Thaïs, qu'est-ce que tu fais au caméraman? Je suis pas bien, voyons. Le casino est ouvert, alors voilà. Ah mais il faut que je fasse le tour. Oh. Alors la chineuse, tu connais pas le jeu. Bah ça dépend, il y en a beaucoup. Enfin, il y a une partie des fans qui ont aimé ce jeu, qui l'ont censé tout. Et tu as l'autre partie qui déteste ce jeu en fait. Qui ont commencé à se délaisser de la série. À partir de ces opus là quoi. Now you've got light speed shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power, release the button and you can do the light speed. Ouais, c'est bon, on connaît. Allez, on s'en fout. Je sais qu'il faut. Voilà. Hop. Donc là, on charge. Et hop là!
Ah oui, voilà, c'est vrai que je t'avais offert les deux opus. C'est bien ce qui me semblait. Alors oui, j'ai... Ah, mais si, oui. Maintenant qu'on a ça, je crois que la porte, elle est ouverte. Ou il faut passer par là, je sais plus. Ça, c'est un problème du jeu, en fait, il te... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais en gros, t'es lâché et il te donne pas vraiment d'infos, quoi. Faut quand même chercher un peu. La cam. Ah. Donc là, normalement... Et voilà, on va au casino. C'est vrai que dans Sonic X, il s'était inspiré de Sonic Adventure. Bah, il s'était inspiré du 1, du 2. Il s'était inspiré duquel? Les Sonic Adventure, ça c'est sûr, mais il y avait d'autres jeux, hein, je crois, qui sont inspirés, je sais plus. Quoi ça? Ah oui! Je crois que tu pouvais te doucher. Mais... Oh la cam! Et Tails qui nous regarde sous la douche. Mais Tails! Qu'est-ce que tu fais enfin? C'est mal, vous voyez. Tails ce pervers. C'est honteux. Alors j'ai pas aimé, je pense qu'il est correct objectivement, mais il faut savoir passer outre des nombreux défauts. Bah déjà la caméra, voilà, ça c'est le premier truc, hein, déjà pour commencer. Ensuite le gameplay quand même qui est un peu compliqué à maîtriser. Hein. Sonic il est très rapide et le fait que la caméra, tu vois, elle te fasse des coups comme ça, super, voilà. C'est pas simple, il faut passer outre ça déjà. Alors les anneaux, bah là ils te servent à avoir des vies, mais dans ce niveau en fait ils ont, ah merde, ils ont un vrai intérêt, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un certain nombre d'anneaux pour récupérer une émeraude. Et là on va essayer d'en gagner un max, parce qu'il faut des dons, un max de dons. Oula. Sonic est devenu blond. Du pognon. Ah merde. Ah là j'ai plus de balles après. Ok. Je récupère des anneaux mais je sais même pas de où. Ah c'est avec les bumpers. Ah ouais, c'est ça. Avec le bumper, je récupère des anneaux. Si tu veux. Si tu veux. Ah oui, voilà. Là, il y avait moyen de récupérer aussi des anneaux. J'essaie de récupérer un max, hein. Attends. Ah oui, et c'est vrai qu'on récupère les petits animaux aussi. Alors ça c'est pour le jardin des chaos. La cam! Pour le jardin des chaos qui... bah, je vous montrerai après. C'est aussi une petite nouveauté dans Sonic que beaucoup avaient aimé. Vache. Le gameplay il est chaud quand même. Je me rappelais pas que c'était comme ça. C'est pas simple. Et non, mais je veux encore d'autres. Ah oui, je veux ça, moi. Wow! Encore plus! Ça, je sais plus. Est-ce que c'était pas. Wow! C'est pas. Genre 500 rimes qu'il faut récupérer? Oh, je sais plus.
Oui. On a combien là? 317. C'est pas mal, hein? Là, on est pas mal du tout. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'il est con. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, il m'a fait une animation. Ah, ça doit être parce qu'il y a de l'eau en haut, c'est ça? Ah oui! Trop bizarre. La cam. C'est la handicam de l'époque, ça doit être ça, hein. Donne les dons, rends les dons, espèce d'escroc. C'est un gros pervers en vrai le thèse. Ah bah carrément, attends, t'as vu ça? C'est honteux. Pinball's Night. Ouais, c'est une grosse référence ça aussi, hein. Je crois que... Ah merde, je peux pas encore. Night, c'est aussi Sega Studio, hein, si je dis pas de conneries. Donc grosse référence évidemment. Bon, on va se refaire un coup du pinball, hein. Encore besoin d'anneaux. Il est à moitié libanais. C'est Sonic Liban Edition. Wow. Oh, t'es sérieux? Taze qui reste dans les égouts comme un gros dégueulasse. Ah, il est parti rendre visite à Splinter. Oh, what? Je pensais qu'il allait dedans. Non! C'est pas très rapide pour gagner des anneaux là-dedans. Pas la meilleure des solutions quand même. Ah, quoique, je crois que si on a 5 cartes. Attendez, c'est 5 ou 6? Ah, voilà. On peut avoir des anneaux. Et oui. Non! Hop, patin de bretzel. Oh là là, alors là il y a moyen de choper pas mal de cartes. J'ai des espèces de petits clignotements par moment. C'est trop bizarre. Alors là je sais pas s'il y a un truc à faire, mais bon. Le jeu était en avance sur son temps techniquement. Ah bah carrément, hein. Franchement, c'était sur Dreamcast, hein, à la base, donc c'est quand même pas mal pour de la Dreamcast. Ok, 2. Je sais pas si je dois en récupérer une spécifiquement, bon on va prendre les deux. On est poli. Normal qu'il ait deux queues s'il traîne dans les égouts, tu m'étonnes. Un petit peu de déchets radioactifs et on n'en parle plus. Yeah. Bientôt sans ring. Eh oui, Knight. Je crois que c'était un délire comme ça, le jeu Knight, hein. J'y ai jamais joué, mais il me semble que c'est ça. Hein. La Dreamcast pouvait faire des trucs assez ouf à l'époque. Notamment Soul Calibur en 60 FPS. Bah, apparemment, Soul Calibur, ouais, il est assez bien optimisé. Hein.
ce bon vieux Soul Calibur. Par contre, je comprends vraiment rien aux cartes. Est-ce que je dois avoir plusieurs fois la même ou pas? Parce que là, j'ai rien du tout hein, qui est identique. Donc, on n'est pas trop aidé. Oula. Calme-toi, Sonic. Ça va aller. Wow. What? Ah, mais en fait, je crois que si je prends plus de 6 cartes, en fait, il me les vire direct. C'est un peu une arnaque, ça. Yes, ok. On est à 106. Je sais pas si je tente le coup. Je sais pas si ça va suffire. Quand tu regardais sans un mot Sonic prendre sa douche, j'ai commencé à me méfier de ce bon vieux Tails. Tails qui fait des choses bizarres. Du plus 18. Il est obligé de se reconvertir, le pauvre Tails. Il n'y en a que pour ce bon vieux Sonic. Une paire. Ah ouais, c'est ça. En fait, il faut qu'il y ait des paires ou plus, quoi. Ok. Alors, son catalogue était envahi à 60-65% par les visual novels, ce qui explique sans doute son échec. Bah, je pense que ça a aidé, ouais. Puis le fait qu'il n'y ait pas assez de jeux non plus, enfin, je pense. Je crois pas que le catalogue de la Dreamcast était assez énorme. Je connais pas trop cette console, mais ouais, il me semble pas que le catalogue soit énorme. C'est encore long. Alors, je me le demande, c'est vraiment le truc chiant ça. Allez, je me souviens déjà que quand j'avais fait la première fois la phase là, j'avais trouvé ça long et chiant. Oh, c'était interminable quoi. Récupérer des rings pour pouvoir récupérer l'émeraude quoi. Tu dois avoir assez là. On va essayer. Non, mais je voulais pas ça. Oh putain. Je dois aller. Dépêche-toi. Allez hop, je laisse mourir. Hop, au revoir, merci. Ah, mais ça aussi, c'est une référence à Knight, je crois. Ah bah oui, bah il est là, loul. D'accord. Mais non, ah il m'a ramené là, ok. Wow. Là je pense qu'on est bon, effectivement. Allez, hop. On va dépenser les dons. Vas-y, pique-moi le pognon, vas-y. Oh, dis-moi que c'est bon, là. Ah, oui. Oh. Dommage qu'on puisse pas attraper le pompon pour faire un tour gratuit. Oh, non, pitié. Ah, non. C'est déjà assez long comme ça. Gamer n'a rien dans le pantalon. Le jeu indique balls 0. Espèce de con. L'émeraude. Oh non, le chaos emerald. Oh non, you don't. Oh jeez. Un petit coup de gaz et on n'en parle plus.
Le retour du Hooper. Oh man, what happened to that emerald we just had? C'est Eggper. I guess Eggman's got one of them, but the other one's safe. Nightcap must be desperate. That means his two to our one, and that's not good. Come on, Sonic, we need to get busy. On a beaucoup à faire. On doit se promener, faire le supermarché et tout. Oui, il faut que je retourne à Mystic Room, oui. Je pense savoir où aller. Non, pas la piscine. Qu'il est con celui-là. Oh. Mystic Room, on a dit. Ce jeu qui encourage à te ruiner dans les casinos. Bah oui, les enfants, il faut aller dans les casinos et jouer. Dépenser tout votre argent. Comme ça que ça marche la vie, voyons. Il devait être moins de 18. Ah, il y a des jeux. Allez, faut vite, vite. Moins de 18. Allez, on n'en parle plus. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Oui. Ah ouais, c'est là. La cam, merci. Et la clé. La clé. Oh, non, la clé, je crois qu'elle est en bas. Attendez, je sais plus. Oh. Eh oui, la clé, elle est en bas. Oh, patin de bretzel de merde. Tous ces mini-jeux à la con pour la faire piquer au final, c'est clair. Je suis un peu con. C'était là. Ah bah tiens, je vais vous montrer le jardin des chaos. Là, non, pas là. Là, ici, là. Voilà. Donc, les chaos. Qu'est-ce que les chaos? Ben, c'est ça. Donc là, c'est un œuf. Et normalement, si je le pète contre le mur, hop. Voilà. Voici un chaos. C'est tout mignon. Alors, comment on le caresse? Oula. Là, il est en train de le rendre chaud. Hein. Normalement, donc il faut les nourrir pour qu'ils puissent faire ensuite des courses, je crois. Je sais plus si dans celui-là, il y avait les courses et tout. Si, je crois qu'il y avait déjà des courses. En fait, voilà, ils ont donc des capacités de nage. Hop, nage, vol, course, puissance et stamina. Et avec tout ça, en fait, on doit faire des courses et autres. Et il faut que on ait un certain stade pour pouvoir gagner ses courses. Sinon, on va galérer. Et je crois que ça débloque. Je sais plus exactement. Je crois que ça débloque des. Je sais même plus ce que ça débloque. Qu'est-ce que ça débloque? Ah, je sais plus, tiens. Donc là, hop, on peut lui donner des noix de coco. Il est parti où ça? Ah oui, il est dans la flotte. Donc, du coup, vu qu'il sait pas nager, forcément. Il est en train à moitié de se noyer, le pauvre. Hop. Je vais vous montrer juste quand il mange sa petite noix de coco. C'est mignon. C'est tout rond, rond. Bon, bref. Hop. Chercher la clé. The train headed for Station Square will be departing soon. C'est ici la clé, mais et je m'en rappelle plus du tout. C'est un truc de malade. Hein. Non, ça, c'est pour Knuckles, je crois. Oh, putain, la cam. Et non, mais c'est de là que je viens. Oh là là. Ah,
Ah non, la clé elle est près de l'établi de Thaïs. Si je me rappelle bien. Même ici, non, pas là. Donc ici, eh oui. Je crois qu'il fallait rentrer dedans. Oh putain, la cam! Ah, même pas. Oula. Même pas, mais alors elle est où? Putain, je suis quasiment sûr que c'était ici. Hein. Ah, où c'est... Attendez, c'est pas au bout. Je sais plus. Ah, j'ai un gros trou de mémoire, dis donc. Merde, c'était... Oh, c'était quand même pas dans la jungle. C'est dans la jungle, secours. Hein. Eh ben, je crois bien que c'était dans la jungle. Merde, non! Ah, je crois pas que non, c'était pas ici. Ah, c'était dans la jungle. Pantoufle. Merde, et je remonte comment maintenant? Pour monter sur les rochers dégueulasses, très bien. Voilà, si tu veux. Ah mais non, mais en fait c'est même pas ouvert donc. Putain, mais elle est où la clé? Où est-ce qu'elle est la clé? Je me rappelle plus. La clé de Dame Ginette. Ici. Merde. Je me rappelle plus. Oh. Oh non. Je me rappelle plus du tout. C'est génial. Ici. Non. Bah, c'était où? Attendez voir. La cam, la cam. Où est-ce qu'elle était cette clé là? C'est incroyable. Quand même pas rester bloqué. C'est ce que je cherche, hein, bon. J'avais bien compris qu'il fallait une clé. Hein. C'est pas parce que j'en ai l'air d'un qu'il faut me prendre pour un con. Ça, c'est le rocher. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tout le monde adorait les chaos dans les Sonic Adventure, genre c'est la révolution et tout. Bah ouais, c'est vrai que c'était une petite révolution. Après, est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas. On va dire que c'était pour combler le jeu. Mais moi j'aimais bien encore, je passais pas mal de temps dedans. Ouais, la musique est pas mal, ouais. Ça fait tribu indienne, je sais pas, c'est... Enfin, indienne, peut-être pas, mais... je sais pas, c'est sympa. Elle était où? Je m'en rappelle plus du tout. Ah, il y a Big. Froggy, where are you? J'ai bien une idée, mais je pense que ça va pas te plaire. Avec le respect, hein, évidemment. Est-ce que c'était ici? Oh, je m'en rappelle. Je crois qu'elle m'avait déjà bloqué. T'as regardé dans tes poches. Ça c'est quoi?
Ah oui, ça c'est pour plus tard. Bah mince. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces conneries d'emblèmes là. Au bout d'un moment, on débloquait des vieux jeux de Sonic, genre Sonic Spinball et tout. Putain, c'est quand même pas là. Ah non, là on y a déjà été. Oh, c'est quoi ce délire ? Ouais, donc Darjak qui me dit c'est pas en... enfin c'est peut-être en ville. Je sais plus. Sonic. Ah ouais, Sonic Hero. Eh, mais Sonic Hero, j'ai tellement envie de le refaire celui-là aussi. Oh là. Là, je refais surtout Adventure 1 parce que j'ai envie de refaire le 2 ensuite. Hein. Et je voulais d'abord faire le 1 pour la continuité des choses, quoi. Mais ouais, après le 2, il y a moyen que Sonic Heroes y suive de près. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'était pas ça? C'était quoi ça? Je sais plus. This is the crystal ring. This reduces the time needed to store power for the lightspeed dash. Ah, ça c'est très utile, tiens. Vers l'entrée du casino. Attends. Je vais aller voir ça. Vers l'entrée du casino. Et je crois que t'as raison. Oh, ah oui, attends, je crois qu'il y a un recoin là. Hop. Oh putain, bien vu Darjak. Ah ouais, je m'en rappelais plus du tout. Autant il y a d'autres choses, je me rappelle, mais alors ça. Eh bien, c'est un bingo. Heroes, t'avais pas aimé parce que 90% du temps, tu tombais. Ah bah la caméra était encore plus compliquée que les adventures. Le gros souci aussi de Heroes, c'est que c'était ultra redondant. Ils ont voulu faire comme Adventure, c'est-à-dire voir le point de vue de chaque perso, enfin de chaque équipe. Mais ouais, c'était beaucoup trop redondant, quoi. Beaucoup trop. Les niveaux étaient identiques à 100%, enfin c'était pas très intéressant, quoi. J'ai quand même bien aimé la fin de Sonic Heroes. Ah ouais, c'était chaud à trouver là, cette clé, je m'en rappelais plus du tout. Par contre, je me rappelle qu'il y aura une petite phase après en snow. C'était pas mal du schtroumpf. Oh, ah oui, il y avait ça. Oh la vache. Ah, phase en snow? Non, je crois que c'est après. Tout ça pour ça, mais bien sûr. Il y avait un niveau que j'avais bien aimé aussi dans Sonic Adventure, c'était l'espèce de temple là à un moment. C'était pas mal, j'aimais beaucoup l'ambiance. Oh la cam! C'est infernal. Hein. Ah, c'est un truc qui a vraiment mal vieilli dans Sonic Adventure, c'est la caméra. Vache. Pourtant, je crois que la caméra, ils ont essayé de régler un petit peu les soucis et tout, mais apparemment, c'est même comme ça. Waouh! Quoi? Mais non, je suis passé au travers! Oh, patin!
Mais... Non! Oh là 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 là. Jeanne au secours. Ils avaient embauché un Moki pour la caméra. Ça doit être ça, parce que là c'est compliqué. Oh là 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 là. Les persos étaient super glissants et dès que tu fonçais défonçais un mob au bord d'une plateforme, tu rageais. Ils étaient glissants. Ah, je me rappelais plus de ça. Taille rose, ça fait. Ah, ça doit faire. Ouais, au moins 10 ans que j'ai pas joué. Je pense qu'il y a au moins 10 ans, ouais. Très longtemps que je n'ai pas rejoué. Oula. Sonic a la tête dans la glace. Ça va te rafraîchir les idées. Oh. Oh. C'est une musique ASMR ça. Use the panel to jump. It may even help guide your way. Ah, c'est là la phase en smooth, si je me rappelle bien. Ouais. C'est là normalement. Et la musique elle est vachement cool. Wow. Par contre, j'ai peur pour la maniabilité. Allez, mais va plus vite. Va plus vite. Oh, il se traîne. Oh la vache. Je crois qu'il y avait moyen de faire des figures. Attendez. J'ai sur un tremplin. Oh la vache. Ah ouais, c'est bien ça. Wow. Oh là là là. Quel bordel. Wow. On se fait attaquer. Quand même, hein. La vache. Okay. Très rigide. Hein. Allez, c'est bon. Émeraude. Et bim. Let's play des Game Grumps sur Heroes et le mec a gueulé comme un chafouin. Ah bon? À ce point-là? Ah, de toute façon, on verra bien. On verra bien quand on le refera. Hein. Parce que j'avais des souvenirs des aventures. Mais là, le 1, je me rappelais pas que la caméra elle était aussi chiante. Hein. C'est infect. Hein. Vache. Merci pour le GG. Alors là, je crois que il faut que j'aille ici. Et pas Robotnik et. Ah si, voilà. Ah oui, parce que Eggman il est encore embobiné, je crois.
Et n'empêche, Knuckles, à chaque fois, il se fait avoir par Eggman, quoi. Oh! Lul. Ce combat d'infirme. Oh non, j'ai encore perdu les émeraudes. Oh là là. Purement par hasard, Robotnik. Bien vu l'artiste. Hold it right there, creep. You can't get away with this. Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again. Me? What about you? Way to go, Knucklehead. Qu'il est con celui-là aussi. Oh. I have four lovely emeralds. Alors Sonic Adventure a un côté décomplexé, du genre je m'en fous de tout, je te mets toute phase de gameplay dans la gueule et je fais ce que je veux. C'est très 90 dans l'âme et c'est rafraîchissant avec le recul. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phases à la 90. Hein. Clair que le jeu il se prend pas du tout la tête. Boss intéressant en vue. Ouais, il était pas mal celui-là aussi. Et quand il a les 6 émeraudes aussi, je crois qu'il est pas mal. Robotnik, tout simplement. Oh là là. Foiros. Il évolue de plus en plus, hein, effectivement. Mais saute. C'est pas fini. Je crois que les musiques elles changent à chaque fois, ou je sais plus, il y a genre 2 ou 3 musiques pour les boss. What? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai que il se transformait en grosse boule quand il enlevait les émeraudes. Calme, putain, je vois rien. Il attendait sagement, heureusement. On est nu fort. Ah, la boubou, la babouche. La boubou, la babouche. Oh, l'enfoiré. Petit enfant rose. Je ne t'aime pas beaucoup. Encore une fois et c'est bon. Et ce sera le first try. Mais non. J'ai failli sauter dessus en plus. Hein. Honnêtement, si Hooper refaisait ce jeu, je pense qu'il gueulerait vraiment sur la caméra. Il pourrait pas. Il deviendrait vite fou avec ça. Allez, meurs. Et voilà. L'ambiance du jeu est plus proche des épisodes Mega Drive qu'on ne le pense. Pas que... Ah ouais, la base là, elle est pas mal. Metropolis, Mystica, Vidro City font très rock, funk, jazz. Ah bah là, ouais, c'est dans Sonic Adventure, c'est très rock hein, par contre. Ah bah tu sauras, Doc. Tu comprendras entre les différentes histoires. Like Caria, ça c'est une des machines les plus stylées quand même. Avec son magnifique thème.
Il y a Hooper qui se barre avec les dons. Hey, we can't let him get away. Oh, ah oui, je me rappelle de la... Oh oui, oh la phase là. Oh oui, 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 ça je kiffe. Oh oui, je kiffe. Oh oui, je kiffe. Tais-toi. Alors là, ça va être pas mal. Ah oui, donc là, on a débloqué Knuckles. Parfait. La phase du tornado. Sonic, wait here for a second. Sonic est tellement rapide qu'il laisse s'échapper Eggman. Mais il va la fermer ce Windows là. Je pense qu'il reconnaîtrait les qualités du jeu seulement en conclusion, mais qu'il serait tout aussi mitigé qu'avant à mon avis. Possible, ouais. Parce que bien souvent en conclusion il donne des bonnes impressions, mais ouais, je sais pas. Sonic Adventure, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui. Salut la chineuse, merci d'être passé. L'avion, allez, c'est parti. Je kifferais tellement avoir son avion au Tails là. Ah, plus emmerdé par les embouteillages. J'aille ça le drôle. Ah, la musique quoi. Allez, lock-moi ça. Hop. Allez, lock. Il a du mal à aller là quand même. Le manoir du Hooper droit devant. Attention, c'est le manoir volant. Pour ça qu'il n'y a pas la fibre. Wow, il y a Hooper qui nous attaque. On va y retrouver le Martial Wong. Martial Wong, tiens bon, on y arrive. On va t'aider à sortir la version 2 du site, t'inquiète pas. Allez, en force. J'ai des kamikazes quand même. Hein. Oh merde, il m'a touché. Alors je comprends pas pourquoi il fait le tour, cette espèce de naze là, au lieu de se poser direct. C'est stylé. Fire. Voilà, c'est de toute beauté. Mayday, mayday. Un remix de Lock and Base sur un éventuel génération 2 Mania 2. Lock and Buzz. Ah ouais, de Sonic 3 du coup. Ah, c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'il fasse un Mania 2, hein, mais avec plus de nouvelles zones. Hein. Mais bon,
Monsieur Sega, il a décidé de faire plutôt un Sonic Colors remastered tout pourri, tout moisi, pas optimisé et tout. En disant, je vous ai compris. Oui, mais non. Non. Le canon yaourt. Balancez le yaourt. Et oubliez pas la cassonade cette fois. Donc là, il fallait que je fasse quoi? Allez, au casino, quoi? Pourquoi au casino? Mon ami vient de mourir, il est tombé. Casino. Sonic 3 avec Knuckles ce matin. Ah sérieux, tu l'as fait ce matin? Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Shining? Me dis pas que c'est du caca, s'il te plaît. Me dis pas que c'est du caca, je t'en supplie. Y a plus de train, ils font la grève. C'est gaffe, faut plus rien attendre. Mais non, mais c'est ça, hein, franchement. Faut regarder du côté des fangames. Hein. Parce que ces gars, ils y arrivent plus. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Ah, tu le connais depuis que t'es gosse, ok. Jouer avec Amy. Ah bah on jouera après avec Amy. Cette fille me crée toujours des ennuis. Sonic, fais gaffe, tu vas te faire brûler sur la place publique. Hein. Attention. Hein. On va dire que t'es misogyne et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que tu dis? Vite, censurez, censurez. Ah, cette phase a été géniale. Laissez-moi tranquille. Oh! Oh l'enfoiré, il m'a pris par derrière, dis donc. C'est honteux. Voilà. Moi je vais. Oula. Avance! Mais. C'est quoi ce bordel? Voilà. Oh là là! Ah, t'as fait la phase avec Knuckles. Avec Knuckles, c'était plus dur parce que... Oh, il sautait beaucoup moins haut que Sonic. Par contre, il pouvait... Oh, mais c'est pas vrai, s'accrocher au mur. Ça, c'était quand même un atout. Et du coup, il avait accès à d'autres... D'autres endroits que Sonic n'a pas accès. Ah, cette musique. Wow. Oh la vache, la maniabilité, c'est horrible. Oh la vache. Ah, pour tourner, c'est pas simple. Hein. Ouf. Ouf. Oh là là là. Secours. Obligé de te bouffer les murs pour tourner. Allez, le parc. Mais... Ah, la musique là aussi, elle est cool. Avec le château et tout. Oh là. Tac.
Alors, pourquoi autant de haine envers Amy? Ah oui, t'as vu ça, c'est pas très gentil. Sonic 3 avec Knuckles, c'est le meilleur épisode de la série. Et bah voilà, et bah Shining, c'est le nouveau meilleur membre. Voilà, il a tout compris. Dans les hautes strates de la plateforme avec Donkey Kong Country 2 et sans doute Yoshi's Island. Donkey Kong Country... Ah ouais, le 2, il était pas mal, mais qu'est-ce qu'il était dur. Pour moi, c'est le plus dur. C'était le plus dur de la série. Un remix de Panic Puppet Zone Acte 1 de 3D Blast. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et tu fais bien de le souligner. Oh, même pas un strike. Ah si. Du pognon. Non. Ah, c'est là qu'on va pêcher avec Big. Cam. Cam. Je crois que là on est tout proche de l'émeraude. Non. Oh, on était proche de l'émeraude. Pas sûr que ça nous ait beaucoup éloigné, tiens. Non. Mais vas-y, mais la cam, je vois rien. Bah oui, mais... Oh là là, la caméra, c'est horrible. Oh la vache. Ça va être chaud. Le plus grand ennemi du jeu, ça va être la caméra. Pas simple, hein. Putain, mais la cam! Où est-ce qu'il est, ce con de caméraman? Et vous êtes complètement tapé! Putain, on est mort devant le checkpoint en plus. Aïe, 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 aïe. Des anneaux, on s'en fout. Et c'est encore des anneaux, je m'en fous. Je veux une émeraude. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Eh, hey, c'est bien là. Pas clair. Hein. Là, là, m'en fous. Et... Voilà. Et B. Ça fait penser au jeu de course Cooper a fait Sonic Racing machin truc. Ah Sonic Racing Attends, comment c'est fait ? Sonic Racing, c'est pas le Transform, ça c'est le non Racing All Star, voilà. Ils en ont ressorti un là il y a pas longtemps, c'est Sonic Team Racing. Mais il est pourri, franchement il est pourri. C'est quoi si tu dépasses les 100 anneaux? Si je crois que ça. Non, ça. Ça le dépasse. Fallait faire ça aussi, je sais plus. Oh, fallait le faire? Non. Oh, je sais plus. Je crois que plus on a de rings, plus ça va vite. Comme Mario Kart. Oh, allez là. Vache, comment c'est rigide à mort. Ce bruitage de l'enfer. Oh. On dirait un mec bourré quoi.
Eh ben. Ah mais c'est ça en plus hein. Y a pas d'autres commandes quoi. Putain. Eh ben. Surtout pas tomber hein, parce que sinon on va tous retaper. J'ai pas trop envie de ça. Allez, mais tourne! Mais avance! Oh. Oh là là là! Mais. Ah, en plus, j'ai réussi à faire pire au deuxième tour. Ah oui! Pas du bien joué ça. Oh là là. Oh là. Mon dieu. Heureusement qu'ils n'ont pas fait beaucoup des trucs comme ça. Allez, mais. Bah voilà. Le thème de l'acte 2 de PP Zone d'ailleurs, l'un des meilleurs thèmes de la série pour moi. Bah c'est vrai que c'est un des meilleurs, hein. Je suis assez d'accord. Sûr que c'est peut-être pas le meilleur, mais il est. Ça fait partie d'un des meilleurs. Ah oui, la carte d'accès. Carte d'accès pour aller. Attends. Carte d'accès. Entrer dans un bâtiment. C'était dans quoi ? Carte d'accès. Non, ça c'est le jardin des chaos, donc on s'en fout. La carte d'accès. Attendez, c'était dans quoi ? C'était vers ici. Carte d'accès. Faut que je me rappelle. Pas ici. Putain, je me rappelle plus du tout. Ah, peut-être lui. Non, attends. Carte d'accès. Mais c'est fou comment je me rappelle plus du jeu. Hein. Attends, c'est quoi carte d'employé? Ouais. Ça ne m'aide pas du tout. Carte d'employé. Oh la vache, j'ai tout oublié. C'est sûr que c'est là en plus, hein, mais où est-ce que c'était? Ah attendez, c'est pas là quand même. Tac. Twinkle Park, c'est quand même pas ici. Non, c'est pas ici. La carte d'employé, la carte d'employé. Non, c'est pas là. Bah, c'était où? Oh là 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 là. J'ai plus aucun souvenir. Non, c'est pas là. Sonic employé de bâtiment.
Je viens me faire la plomberie. Je vois que vous avez des grosses fuites. Oui. Ça me dit toujours pas où je vais utiliser cette maudite carte. Hein. C'est un maudit tabernacle de carte là. C'était dans quoi la carte là? J'ai une carte, mais qu'est-ce que je dois en foutre? Super, c'est très intéressant. Oui. Pourtant, il n'y a pas non plus 40 000 bâtiments accessibles, donc bon. Que c'était genre il fallait aller là-dedans. Bon, ça je crois que c'est Knuckles. Oh là là, je sais plus. C'est la carte là. Espérons qu'elle réapparaisse en haut. Sinon, je suis dans le caca. Bah mince, mais c'était où la carte là? Sérieux, je m'en rappelle plus du tout. Pas passer de l'autre côté. J'ai du ray tracing. Ces voitures qui te foncent dedans, c'est des Parisiens. Oh, les Parisiens là. Oh, qu'est-ce que vous foutez, enfin. Si, attendez. Ça y est, je crois que ça me revient. Ça me revient. Bah non, j'allais dire Mystic Quest, mais non. Mystic Quest. Mystic Ruin. C'est pas possible que ce soit Mystic Ruin. Pas du tout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, forcément quelque part cette carte. Ah oui, j'ai fait le tour de toute la ville, lui. Comme si je l'avais fait 15 fois. Oh, il est con. Oh, je me... Ah, mais c'est la zone que Monsieur Shining il adore. Attention, c'est pour toi, Shining.
mettra la musique. Tom. Oula. En fait, je sais plus si vous me l'aviez dit, mais est-ce que au niveau du son et tout, c'est good ou quoi? Ça, je m'inquiète, genre 4 heures après. Le son, la fluidité du jeu, tout ça. Oh! Pharos. Le chemin annexe. Tant pis. Non. Oula. Failli glisser. Hein. Cravi cette phase. Je crois qu'ils en avaient mis pas mal dans Adventure 2 justement. Des phases comme ça. Ils aimaient bien. Hein. Pas mal aussi. Oh, par contre la cams, c'est infâme. Hein. Je sais pas du tout si c'est... Ouais si c'est bon. Il y a la fontaine donc c'est bon. Voilà, hop, on sonne la cloche. Et voilà. Re, monsieur. Ah bah, Shining, t'étais pas là du coup, t'as loupé la zone que tu parlais tout à l'heure. La highway. Sur un immeuble, il court le Sonic. Ah, t'as vu ça, il est incroyable ce Sonic. Hein. Peu importe où il court, il court. Réfléchis pas. Hein. Alors là, je crois qu'il faut retourner. Ah oui, c'est vrai qu'on va la retrouver, Loul. Est-ce qu'elle est encore? Où est-ce qu'elle est? Ah, quand je courais sur l'immeuble, ok. Donc tu n'as pas loupé cet incroyable moment. Oh, où est-ce qu'elle est, Amy? Je sais plus. Non. Et... Ouais, si tu veux. Je l'aurais viré en tant qu'employé de bâtiment parce que dire bon, parce que bonjour les vitres. Ah bah ben là, tu peux toutes les changer. Amy, oh man, where can she be? Screw. I'll cut him off
at the Mystic Ruins. Oui, mais il y a la grève des trains. Eh ben non, il n'y a plus la grève. Ils ont vu Sonic, ils ont dit on arrête la grève, voilà. Hey there, bull brain. You better give Amy to me or I'll squash ya. Hey, what's happening here? La base du bon gros Robotnik. Ça, tu vas les attendre au Mystique, tu vas les sauver sur le champ. Mais c'est clair, c'est quoi ce touriste? Oh, ça va, on a le temps. Elle a pas l'air aussi en danger que ça. Sonic Gounenos, quoi. Oui, alors là, je me rappelle que faut aller là, hop, pif, par ouf, et là, il faut aller au fond. Voilà. Et là, normalement, je crois qu'on peut aller, c'est l'île Angel Island de Sonic 3 et Knuckles. Avec la Master Emerald, normalement. Voilà. Qui d'ailleurs, là, elle est presque complète. Il manque des morceaux, mais elle est presque complète. C'était quoi ça? This is the ancient light. Try the light speed dash toward the enemy. With this, you can now do the light speed attack. What? Ah oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Ça, ça va nous servir pour ça, tiens, par exemple. Voilà. On a pété le singe. L'attaque tourbilol, voilà, exactement. Tourbilol, lol, 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 lol. Éteins le sèche-cheveux, nom de Dieu. C'est comme ça qu'on ferme une fenêtre. Ah, la musique là aussi, elle était cool. Bon petit thème. A switch. Quoi? Oh, il s'est pas raccroché. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'on ferme une fenêtre, nom de Dieu, de trop le cul. Wow. Attends, tu gardes le parapluie pour toi, c'est pour elle. Tu me feras 120 pompages. Wow. Le mec n'empêche, il est vraiment à fond. Un peu taré sur les bords, mais il est à fond. Avec son histoire là de femmes, oh ce, nous on aime les très belles femmes, elles se font très rares. Hein. Avec ces vieux posters là en mode gros dégueulasse. Voilà.
sûr qu'il va emmener une femme là-haut. Ah, c'est sûr qu'elle va être contente avec ses posters. Aïe. Ah, il faut quand même de la peine, ces mecs. Hein. Tu vois le docteur Lulu et compagnie. Tu dis ça peut pas exister, mais si, si, ça existe. T'es, franchement, à chaque fois, enfin, je pense qu'on a déjà parlé, mais c'était en fait, t'es partagé entre la pitié et le la compassion en fait. Ah oui, cette musique, what the fuck. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Un striptease que j'ai pas vu ça. Ouais, Doc, je crois qu'il est même pas sur... sur YouTube, il est que sur... Merde, Dailymotion. Par contre, pour le retrouver, je sais plus exactement ce qu'il faut... Ce qu'il faut marquer... Comment ça s'appelait? C'était... fan de... Comment c'était? Oh, je sais plus. Merde, mais... pas fan de Roger comment c'est son nom, je sais même plus. Oh. Et je vous jure, des fois je me demande si j'ai pas Alzheimer, c'est quand même grave. Roger, oh, je sais plus. Salut grand cornichon. Ah bah tu, en plus tu passes sur le meilleur jeu que tu apprécies. Ton jeu favori. Voilà. Bon, sinon j'espère que tu vas bien. Malgré tout. Comme je sais... Oula. Qu'est-ce qu'il me fait? Comme je sais que c'est pas simple en ce moment. Mais vas-y! Le fan club de Roger Grolet. Voilà, merci Darjack. Un mec qui met des posters porno chez lui. Ah, je parle pas de toi, hein, Shining, t'inquiète pas. Mais ouais, non, c'est comme dit Darjack sur Daily, ça s'appelle le fan club de Roger Grolet. C'est une vidéo striptease un peu comme Moki, et c'est du même acabit que le docteur Lulu. Ça vaut le coup d'œil. Je vais bien, j'espère que vous aussi les gens... Bah oui, grand cornichon, c'est plaisir de te voir en tout cas. Benjamin qui parle de Castlevania 2. Non, arrête ça, tu vas le faire fuir. Oh là là, l'erreur. Il va vomir encore. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis super content. Ah, attends, on a deux. Ah, ça va chier. En plus, le ciel, il est noir. Ça veut dire qu'on va en chier. N'empêche, je kiffais vraiment ces phases là. C'était vachement stylé. Avec la petite musique bien sympathique. Oh, les carrières, il est tellement grand et beau.
va tout péter. Wow, 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 on se fait canarder, messire. Je suis ready. Transformation. Ah, la transformation trop stylée du Tornado 2. Je vous lis après les gars parce que là c'est chaud. Il y a concentré en natation. Faudrait pas péter l'avion. Waouh! Satanerie. Par contre il passe vachement près des flammes, il a pas peur. Mais non! Il va me niquer la peinture, ce con-là. Ah, je sais pas ce que j'ai verrouillé, mais alors... Oh! Merde! Ouf. Ouf. Allez, ouvre-toi! Mange avec ça! Par contre c'est bizarre, il n'y a même plus d'ennemis qui pop et tout, ok. Et puis assez de budget. Mais non! Ah c'est bon, je l'ai eu. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah, tu les as laissés au grenier, mais tu es malin, Shining. Alrighty, we're in. We gotta land on the egg carrier. Whoops. Ah, il a fini les Castlevania, Benoris. Ah ouais. Avec mon cannabis et mon restant de coke. La drogue, c'est mal, vous voyez. Il faut pas toucher à ça, vous voyez. Tu as stream le PlayStation Showcase machin ce soir. Ah ben voilà, très bonne nouvelle. C'est à quelle heure ce truc là? C'est pas trop tard, j'essaierai de suivre Monsieur Grand Cornichon. Elle a bien changé la Sky Chase Zone. Ah bah carrément. Qu'il est beau son petit avion. Je veux le même. Sonic 3, je suis le seul à le trouver plus sombre que les deux premiers. Il a clairement une ambiance moins bucolique. Ah non, non, t'es pas le seul. Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression que oui, c'est à partir de là où en fait ils ont voulu faire vraiment des épisodes bien plus. Peut-être pas sérieux, mais effectivement plus sombre, plus. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté plus sombre. Voilà. Plus mature. Implosion du canon yaourt. Faut appeler le docteur Lulu. Il aura une tâche. Ah
Et Sonic CD, ouais, c'était pareil, tout à fait. Avec le sauvetage d'Amy et tout, ouais. Oui. T'avais pas besoin de mettre une cinématique pour ça. La capsule et les petits animaux, waouh. Emergency, truc pas relou quoi. J'espère que la caméra va pas nous faire défaut. Au niveau des vies, je pense que ça va aller. Hein. 18 vies, là, c'est impossible de se fail. Hein. Dit-il en mourant. C'est à 22h. Ok. Ouais. Bah, j'essaierai d'être là, alors. Je promets pas de rester pendant des heures et des heures, mais je ferai un saut. Avance. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais avance, espèce de sac. Mais what? Oh, c'est bug. C'est ma faute. Tellement y aller à l'aveugle. What? Oh! Ah ouais, il y avait carrément le canon qui pétait les plateformes. Vache! Le trailer de Matrix 04 qui est sorti. Ah ouais? Merde, je suis en train de lire en même temps, c'est pas simple. Non! Le con. C'est bon. je vais y aller à toutes. Et ben, plus Benjamin et Shiny à toutes. Ah, mais je peux monter comme ça. Je sais pas où je vais. J'imagine que mais c'est par là, mais j'en suis pas sûr. Ah si, ça doit être par là. Mais quoi? C'était un bug. Alors attendez, du coup... Je vais vous mettre un petit soundbox. Est-ce que je l'ai au moins? Ah merde, je l'ai pas ajouté. Putain, j'avais téléchargé un soundbox il y a pas longtemps. Ah si, là. Je code avec le cul, la 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul, la 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 la. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Voilà. Ça colle bien, moi je trouve. Oh, la vache. Il y a John Wick dans le Matrix 4. Qui dit attendez, c'est un bug là. Oh, d'ailleurs tu l'as trouvé où celui-là,
le Hooper qui dit c'est un bug. Bug, merde, non. J'y vais à l'aveugle. La 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 la. Je sais pas où je vais. Strong winds will blow you off course. When the ship increases speed, hang on to something. Ah oui, c'est vrai que ça me ralentissait cette connerie. Mais what? Enfuis. Plein de kamikazes, wow, qui pète. Oh là là, c'est quoi tout ça? Va-t'en, va-t'en. Non, mais what? Mais... Mort de rire. Non, je suis bloqué? Oh, j'ai eu peur. J'ai jamais eu ce bug. Hein. Fallait que ça arrive en live, hein, forcément. Pourquoi ça m'étonne pas? La 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 la. Et what? Mais oui, mais il arrête pas de bouger le canon. Putain, je... Oh là 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 là, mais quel bordel! Putain, mais on va être obligé de renier Sonic Adventure. What? Le canon, il a pété avant que le missile y touche. Eh ben... Je pense que c'est peut-être le patch qui fait ça. Hein. On va laisser le doute. C'était ma première vidéo de l'ermite moderne, le codage avec le cul. Ah ouais? Ah, je sais... Merde! Moi, c'était un ami qui m'avait conseillé... Putain! Qui m'avait conseillé l'ermite moderne, justement, et m'avait fait écouter cette musique. Ça m'avait bien fait délirer. Mais vas-y! Du coup, je me suis dit, pour les lives, ça peut être pas mal. Ça servira beaucoup, à mon avis. Par exemple, Valcazer qui a fait Sonic 2006, ah ben, il aurait pu l'utiliser une paire de fois. Voilà. Non! C'est pas clair. Il y a John Wick dans Matrix. Ça ressemble à un tour loop quand même. Ou comme dirait... C'était qui? C'était Ramsey dans la tour Montparnasse. L'entour les boules. Pas l'entour les boules, sinon je tire la tête à la main. What? Qu'est-ce que c'est ces bugs? Franchement, ça fait peur, hein, les bugs. Oh la vache. Une affaire rondement menée. Is that it? It might be, but let's check out the bridge.
Ouais. Pourquoi on peut pas piquer ce vaisseau là? C'est marrant. L'erreur. Je crois qu'il faut monter dans cette connerie. Non. Est-ce qu'il fallait rentrer là-dedans? Je sais plus. Mais. Il a des robots qui font le ménage, mais voilà, ça c'est très bien ça. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Je crois qu'on est bientôt à la fin de l'histoire de Sonic. Si je dis pas de bêtises. What is your wish, Master Robotnik? Robotonic. Loul. Ils ont réussi à faire une faute. Ils ont écrit Robotonic, quoi. Quelle bande d'illettrés. Robot tectonique. C'est lui là. Oula. Le vaisseau qui te fait une marche arrière là, il te faisait un créneau tranquille. C'est lui qui a inventé la tectonique. Ce combat d'infirme quand même. Mais je dis on est presque à la fin, mais attendez, il reste quand même le... Ouais, si, si. Non, non, si. On est quasiment à la fin, il reste le temple. Le... L'espèce de base là encore, et puis Terminator Ted. Hein. Je crois. Salut manga TD. Pas mal la mode de conversion de Dreamcast. Hein. Ouais, franchement, ça passe plutôt bien. Il y a 2-3 petits bugs, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça rend bien les choses. Heureusement qu'on l'a mis. Hein. Parce que la conversion Steam, elle est juste dégueulasse de base. Hein. C'est juste incroyable qu'ils aient foutu ça comme ça, et puis ils se sont dit, oh, c'est bon, allez, ça passe. À l'aise, Blaise. Voilà, on peut jouer E102. Je sais plus comment on fait pour streamer. Moi, ça fait trop longtemps que je suis vieux. Il y a des boutons. Est-ce que vous avez branché votre box, monsieur? Débranchez-la pour voir. Ah, déjà, faut que tu ouvres OBS. Je sais que c'est compliqué, mais il faut que tu l'ouvres. Après, il faut que tu choisisses ta capture, enfin la source de capture. C'est encore compliqué, je sais. Ah, il faut s'asseoir dessus, voilà, hop. Transformation. Monorail. Le nombre de portages de merde sur Steam. Bah, je sais bien que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, mais bon. Je trouve ça incroyable. Plateforme comme Steam qui est pas foutue de vérifier le portage, quoi. Oh non! Not again!
Chaos. Could this be the same beast? Rigole, j'appuie sur mon stream deck pour afficher l'image alors que je n'avais pas lancé OBS. Oula. Oula, monsieur grand cornichon. Il va falloir qu'on parle. J'allais mettre une soundbox, mais il faut que je switch à deux pages. C'est compliqué. Il a trouvé la queue du chaos. On ne fera pas de blague là-dessus. C'est pas le genre de la maison. Ce que je n'ai jamais aimé avec la version 2010, c'est le flou que ça entretient en disant que c'est un Sonic Adventure normal sans le DLC DX, alors que c'est la version DX downgradée. Bah, effectivement, c'est un peu comme litigieux, quoi. Que là, du coup, ouais, c'est vraiment la version Dreamcast avec les mods et tout. Hein. C'est tout bon. Hein. Ah, la musique elle est pas mal. Ah ouais, là il va nous attaquer l'enfoiros. Wow. Mange à ça le drôle. Ah, on l'a déjà battu. Oh là là. C'est trop simple. On est en mode facile ou quoi? Je t'enregistre actuellement car tu dis des saloperies sur ce jeu, ce sera consigné. Oh là là! Eh, c'est toi qui renie Sonic Adventure, hein, c'est pas moi, monsieur Grand Cornichon. Moi, les Sonic Adventure, j'aime bien. Donc, bon. Tout ce que je dis ne pourra pas être retenu contre moi, monsieur Grand Cornichon. Que ceci soit dit et soit écrit. Je l'ai jamais habilité, faut dire. Ah, le fameux temple. Très bon niveau. J'avais adoré l'ambiance de ce niveau. Cette réaction. C'est juste une lumière. Allez, en avant. De bouffer tous les murs. Qu'il est con celui-là aussi. Oh. Par contre, on avance vraiment en mode aveuglette. Hein. Serpent, ah oui, oh là là, alors là faut pas se planter, ne nous plantons pas, hein. Je dois repartir au turbin, et ben bon courage, hein. Et du coup à tout à l'heure sur ton live, hein. Donc vers 22h tu as dit, hein. Ça
Ça me saoule le travail, donnez-moi 2-3 petits millions, monsieur FDJ. Bah carrément. Il faut jouer, monsieur, il faut jouer. De 3 millions et puis on n'en parle plus. Évidemment, tu fais 2-3 petits dons aux copains et on n'en parle plus. Mais évidemment, la question ne se pose même pas. C'est moi où les boss sont faciles dans le jeu. Non, ils sont très faciles. Après, déjà sur Mega Drive, c'était des boss très simples. Hein, mais alors là, ouais. C'est vrai que le passage à la 3D, waouh, ça a pas aidé. Une fois que t'as compris comment le merde, comment le l'avoir, tu peux l'enchaîner. Tu réfléchis même pas, t'attends pas, t'y vas. Mais saute dessus, voilà. Et là, calme. Hop, et le dernier. Oh, la caméra, c'est compliqué. Vache, je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, vraiment. En plus, ça met des espèces de petits à-coups. À Sonic, du coup, ça nous éjecte limite de la plateforme. Des temples, il y a plein de temples. T'as fait 200 temples, t'as même pas assimilé un minimum de technique, t'es nul. C'est beau. On allume les lumières. Aziz, lumière. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui m'a tué? Il y avait une flamme, mais il n'y avait pas d'ennemi. Bah. Oh lo 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 lo. Quel bordel. C'est de la satanerie. Oh, ça repop pas les boucliers. Espèce d'escroc. Le moment de mourir. Non. Aqua Splash. Ah oui, là ils vont nous la jouer Indiana Jones. Wow! Indiana Jones! Très très loin de la fin. Oh, ah oui, il y avait ce délire. Non, mais j'avais compris. Tu me prendrais pas un petit peu pour un con des fois. Mais. What? Ah, il est parti dans l'espace là, mais alors bien comme il faut.
Non. Ah, mais il y a des trucs au mur qui nous envoient ça. C'est pas très gentil, hein. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Le vieux piège fourbasse. Serpent de pierre, on dirait qu'il est vivant. Ouais, franchement, il était bien fait, hein. Très 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 bien fait. Oh mais quel ennemi de... Calme-toi Sonic. Et bah voilà. Bref, et ça va vite, hein. Et ben voilà. On a mis 7 minutes pour finir le niveau. Ah ouais. Oh la vache. Ah oui, là, ils vont commencer à donner des explications. Oula. What's this place? Where am I? This is really weird. Et pourtant, on le connaît bien cet endroit. Ouais, le niveau, il était vraiment designé pour avoir des pièges fourbasses. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. Hmm? Eggman! What's he doing here? Well, never mind. This time I'll get him good! Là, je crois que c'est le dernier niveau. Je crois, si je me rappelle bien. Je sais pas si je vais au bon endroit. Ça, c'est la maison de Big. Ah, c'est là. Voilà. Ah oui, là, c'est, il y a des petits clins d'œil à Metal Sonic. Il y a différentes versions de Metal Sonic. Et celle-là, je me demande si c'est pas la version de Sonic 2.
la version de Metal Sonic dans Sonic CD. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah non, ça c'est, ouais, c'est pour un autre personnage. Il me semblait qu'il y en avait encore une autre de version de Metal Sonic. Bizarre, tiens. Comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Enfin, Eck, what remboursé. c'était pas mort. Démo qui veut absolument faire écho. Ah, il tient à son écho. Alors, en plus, je vais faire écho. Je vais être déçu parce que je vais utiliser des save states. Donc, c'est pas la peine. Ce n'est point la peine, sœur démo. Mais... Wow. Oh non. Oh, j'ai glissé, chef. Pourtant, c'est honteux. Que comme un journaliste, je vis surtout du malheur des gens. Ah bah oui, oui, oui. Mais non, non, non. Tu verras pas du malheur de Monsieur Gameroli, non. Que ceci soit dit est écrit. Ah ouais, ce thème-là est génial aussi. Oh merde. Ah bon, la vie, je vais pas aller la chercher. On a 18 vies, en plus c'est la fin, donc bon. Oula. Un peu plus et je tombe. Que tu fasses écho avec des CST, pourvu que tu le fasses, allez, je t'accorde ça en grand seigneur. Oh là là, mais c'est un grand prince, ce démo one, mais quelle générosité. Il nous accorde les CST. Peut-être qu'on fera écho alors, hein. Peut-être. Peut-être qu'on va réussir à lui soutirer 500 balles et qu'on pourra faire écho. Attendez, ça semble bien parti là. Enfin, commencer des pourparlers avec Monsieur Desmoines. Oh merde! Voilà, je fais n'importe. Ouais, jusque là ça me plaît, mais alors après, j'ai pas compris. Ah, il fallait que j'aille là, le con. Ah oui, l'ascenseur araignée, là. Ça, c'est de l'ascenseur. Emergency. Emergency. Dispose of any intruder.
Oh non, 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 non. Bourrinage. Tu vois que la technique de l'usure marche toujours. Par contre, n'oublie pas de marcher écho et de tête. Oh là là. Et déjà, j'ai dit, je comprends peut-être. Pas dit que ce serait sûr. Je suis des moyens de tension. Dit peut-être. Non, pas gros. Heureusement qu'il y avait le checkpoint. Hein. Mais non, mais con. J'arrive même pas à suivre. Oh, oh là là, mais ça rappelle les heures les plus sombres. C'est un peu comme certains jeux PS1 où la caméra vraiment faut s'accrocher. Fini là, qu'est-ce que c'est que ce beans? Hey. J'ai où là? Voilà. Mais va-t'en! Oh là 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 là. Relou, hein. Des petits kangourous et un lapinou. Yes. Et ben voilà. Là normalement c'est le dernier boss. Enfin pour l'histoire de Sonic en tout cas. Well, if it isn't my pal Sonic, I'm surprised you made it this far. Le sprite dessus de Robotnik qui a eu un espèce de vieux downgrade d'un coup là. Hold it right there, Eggman. Parfait. Alors pourquoi le DX dans le titre, ça voulait dire quoi? Alors en fait le jeu de base est sorti sur Dreamcast et du coup ils l'ont ressorti bien plus tard sur PC et sur GameCube et peut-être même d'autres supports, je sais plus. Et du coup ils ont appelé cette version DX. Alors pourquoi DX? Je n'en sais absolument rien. C'est assez bizarre, mais bon, ils ont appelé ça Director's Cut.
Donc voilà. Et là, du coup, on utilise un mode qui permet d'avoir les graphismes de la version Dreamcast. Puisque la version pardon, qui est sur Steam, en fait, elle est absolument ignoble. Elle est complètement dégueulasse. Et il y a plein de bugs. Genre, j'ai essayé de le démarrer tout à l'heure. Rien que les contrôles, en fait, je sais pas pourquoi, ça bougeait tout seul. Comme si je maintenais la touche vers le bas, quoi. C'est bizarre. Donc du coup j'ai installé le mode et là du coup je peux utiliser la manette et ça bug pas. Et c'est plus joli. Mais non! Qu'il est con. J'ai sauté. Hein. C'est de la satanerie. Mais... Oh putain, je le savais! Ne me suffit pas. Et bah tant pis, t'auras que ça. Ouais non, tu peux te faire rembourser. Je crois que t'as 15 jours pour te faire rembourser. Bon, par contre, s'il faut jouer moins de 2 heures, c'est mort. On y joue depuis 14 heures quasiment. Après, c'est pas grave, hein, comme dit le patch. Non officiel règle les problèmes. Donc bon. Parce que du coup, à la base je voulais le faire sur la GameCube. Le problème c'est que j'ai pas la carte mémoire ici. J'ai oublié chez moi. Et je voulais passer par la Wii. En essayant d'enregistrer sur le disque dur où j'ai mis des jeux. Sauf que je sais pas pourquoi ça marchait pas, enfin bref. J'ai pas voulu me prendre la tête, donc je me suis dit ok, je le fais en émulation. Sauf que l'émulation c'était ultra relou, ça tournait pas bien. Enfin j'ai l'impression qu'il y avait déjà des bugs et tout, donc je me suis dit ok, on abandonne. Et donc la dernière solution, c'était la version Steam. Sauf que je savais pas que la version Steam elle était moche et que ça marchait pas trop. Donc voilà. Bon après je savais qu'il y avait le patch. Heureusement. Le patch a tout sauvé. Parce que sinon, on pouvait pas faire Sonic Adventure. Ça aurait été triste. Eh oui, ça aurait été triste, évidemment. Mangez ça. Ah ouais, là il s'excite. Il s'excite. Non. Robotnik, tout simplement. Et voilà. Elle a voulu m'attaquer, l'enfoiros. Hey, I'll play with you some other time. Et c'est le bingo.
une bien belle fin. Loul, je suis sur le téléphone et du coup je vois les mails que je reçois. Et je reçois un mail d'Arias. La fibre, un opérateur casse les prix. Ah d'accord. Donc même il me troll. Bande d'enfoiros. Je vais vous retrouver. Ouais, l'histoire de Sonic est finie. Et on a mis combien de temps là? On a mis 2 heures, 3 heures. Attendez. Ça fait combien de temps là? Combien de temps on a mis? Ouais, c'est ça, 2 heures. On a mis 2 heures pour l'histoire de Sonic. Et ça, c'était l'histoire la plus longue. Hein. Les autres, franchement, en 1 heure, c'est plié. Encore que 1 heure, ouais, c'est peut-être même large. 2h45? Ah, c'est marrant, il m'indique 2 heures, YouTube. Oh là là, il est con celui-là aussi. Oh. Ouais, 2 heures, marrant. Bref. L'histoire de Soso n'est pas finie, la rembourser. Moi je connais l'histoire de Soso, elle se finit contre le méga KO. Bah, je sais, mais là on a fait juste l'histoire de Sonic. Après il y a l'histoire de Tails, Amy, Big et E102 Gamma. On a fini l'histoire de Sonic, mais pas les autres. Eh oui. Je sais bien, Demo. Une chose après l'autre, voyons. Bon, en tout cas ça vieillit, ouais, c'est compliqué quand même, franchement la maniabilité, bah, tu sens que c'est quand même ultra rigide et tout, et franchement la caméra quoi. Et encore je suis sûr que dans le patch ils l'ont amélioré, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est qu'ils l'ont amélioré avec le patch quoi. Donc je me dis que si on n'avait pas eu le patch, mais ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible, on n'aurait pas réussi comme là on a réussi. Hein. Mais il y avait des bonnes idées en tout cas dans le Sonic Adventure. Wow. Ça se renouvelait quand même pas mal. Mine de rien. Quand tu penses que le bousin il est sorti sur Dreamcast quoi. Sur Dreamcast. Alors le boss final, la caméra m'a fait souffrir et péter des câbles à l'époque. Du coup tu parles du vrai boss de fin, j'imagine. C'est vrai que la caméra, elle était quand même... Ouais, elle partait vraiment en sucette à la fin, c'est vrai. Quand tu commençais à aller super vite, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, le Egg Viper, là. Oui, c'est vrai que le Egg Viper, par moment, ouais, aussi. Là, on n'a pas eu trop de problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où la caméra, des fois, elle te faisait des petits coups ou d'un coup, elle partait dans un sens. C'était horrible, quoi. C'est à cause de ça qu'on avait perdu nos vies, quoi. Quinze.
Alors attends. Parce que du coup, comme je suis sur le téléphone, j'ai le Discord aussi. Et donc il y a une personne qui me dit, donc je cite un Sigma. Donc, pour répondre à Demo One qui se demandait c'est quoi la différence entre la version DX et standard. Donc Sonic Adventure DX et Sonic Adventure sur Dreamcast. Plus des modèles de personnages améliorés, Pac-Man, Loul, version GameCube uniquement. 12 jeux Game Gear bonus à débloquer, comme expliqué plus haut, donc je regarde. Un nouveau mode mission a été ajouté, qui rajoute une cinquantaine de mini-objectifs à accomplir, soit dans les niveaux ou sur la carte du monde. Tout finir ne débloque absolument rien, inclus dans les versions Steam et GameCube. Et peut-être un skin de Metal Sonic débloquable après avoir obtenu tous les emblèmes. Voilà. C'est vrai qu'il y avait ça, je m'en rappelais même plus, dis donc. Est-ce que ça te suffit comme réponse des moines ou pas? Parce que là, ça peut pas être plus complet. Hein. 15 quoi? Alors attends, je sais plus. 15. Quoi? Comment ça 15? Ah, 15 emblèmes, pardon. j'ai presque envie. Ah bah tiens, là il y a les missions. C'est ici, voilà. Du coup, ouais, t'as des missions avec chacun. Bon, bref, ça on le fera pas, on s'en fout. Voilà, donc là on a débloqué tous les persos. Donc Sonic 100%. On va commencer un autre perso un petit peu avant d'arrêter. En général, je fais dans l'ordre, mais lequel vous voulez voir? Allez, je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir. Quel perso? Alors, démo qui dit Amy Rose, manga Tales. Amy Pond. Doc qui s'est trompé de jeu. Annulez tout. Donc on a deux Amy, un Tales. GG pour avoir fini l'histoire de Sonic. Merci monsieur manga. Taze. Ah, du coup ça égalise. Oh là là. L'erreur. On n'est pas plus avancé. Mais on n'est pas plus avancé, les gars. Démo qui spam Knuckles Amy. Oh là 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 là, bon allez. Ah là 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 là. Dans l'ordre, tu fais un troisième Tails en soi. C'est du pur troll, je hais ce personnage. Ah, c'est vrai que tu demandes ce qu'elle fout là-dedans quand même. Bon, dans le 2, ils n'ont pas fait l'erreur de la faire jouable. Pile ou face. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire pile ou face. Enfin, encore faut-il que je trouve une pièce. Loul. Oui, voilà Tikal, je préfère y jouer. What? Il y avait un flashback comme ça? Mais non, je m'en rappelais même pas. Avec Metal Sonic, quoi.
Faut dire qu'elle a une grande bouche. C'est Star Wars. Eggman, can it be? What's that? Ah! Watch it! Watch it! Ow! Amy, techniquement, c'est un vieux plan Hugues de Sonic. Hey, are you all right? Ah, c'est sûr que dit comme ça, c'est moins classe. Hein. Mais oui, oui. L'une des images utilisées pour le flashback est en fait la version bêta de Windy Valley. Sérieux? Ah ouais, non, ça je savais pas, dis donc. Elle a peu compris que Sonic c'était un rapide. Comment tu peux me juger sur 2 secondes, enfin? Dès l'histoire avec Amy. Ah, les méchants. Don't worry, I'll protect you. I'll do my best to keep us both from harm. I'll stand by you all the way. Ah ouais, ils ont ressuscité le vieux Windy Valley. Ah ouais. Enfin, je regarde, tiens. Oui. Oui. Alors là, vous pouvez faire le compteur de culottes, hein. Parce que là, il va y en avoir. Hein. On se croirait au Japon. Tiens, mange ça. Windy Valley, c'est le meilleur niveau du jeu. Oh, je pense pas que ce soit le meilleur. Mais il est pas mauvais, ouais. Faut que j'aille où? C'est l'aura de Nicky Larson. Ouais, c'est totalement ça. Hein. Mais tu sais quoi? Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Je vois que ça. Oh, Sonic! Oh, Sonic! My hero! Sonic! Yeah. Un tel compteur risquerait d'exploser. Mais enfin, Amy, ça fait 3 mois qu'on a rompu. Pas si désagréable. Bah, en fait, quand tu maîtrises bien le saut du marteau, là, c'est vrai que ça va. Ça va à peu près. T'arrives à faire des trucs corrects. Mais bon, c'est pas le meilleur gameplay quand même. Hein. Je préfère encore la pêche de Monsieur Billon. Pour rappel, Amy a 12 ans. Ah, c'est dégueulasse donc. No trains are currently in service. Oui. Pour des réparations, ouais, si tu veux. Elle a des oreilles de chat, bah oui. Je sais pas ce qu'ils... Enfin, ils lui ont donné vraiment un look trop bizarre, quoi. Ils disent que c'est un hérisson, mais elle a des oreilles de chat. Je pense qu'ils ont jamais vu de hérisson hein, chez Sega. Ou alors ils ont fumé. Hein. Normalement, c'est une hérisson. Hein. Normalement. Oh, tu me diras après, Sonic il a aussi des oreilles de chat donc bon. Ah oh, oui, je viens de me rappeler des niveaux.
Oh, thank you. Il va falloir fuir en fait à chaque fois dans le niveau de du méchant robot là. Oh, ça va être chiant. Je vais utiliser mon compte pour boom. Explosion. Ah oui, il est là. Oh putain, il va nous suivre. Oh non. Ah oui, il y avait moyen de lui foutre un bourre-pif. Oh. Oh là là. Mais non. Mais non, 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 mais non. En tout cas, Amy, elle est prête pour les JO. Avec des sauts pareils, elle peut que gagner. Ah, une musique calme, ça fait du bien. Culotte. Ah, ça va ravir le doc, ça. Merde. Oh, pantoufle, je cours. Ah ouais, alors là, du coup... Là, faut faire gaffe, il y a des trous. Mais va-t'en! Ah, il va pas arrêter de me suivre. Oh, c'est insupportable! Merde! Qu'est-ce qu'il fout là, ce con de singe? Alors. J'allais vous lire, mais... Putain, il y a un robot, quoi. Attends, il me verra pas. Mais what? Et si, il me voit, là. Non! Mais genre, il m'a vu. C'est débile. Hop, moi je fuis là. Je fuis. Oh, mais c'est quoi ça? Elle va hyper lentement. Oh. Cours. Allez. Putain, j'ai l'impression d'avoir un camion citerne, quoi. Et voilà, fin du niveau. C'était palpitant. Alors, les personnages de Sonic ont souvent eu des libertés design par rapport aux vrais animaux. Ouais, bah ça, ouais, ça se voit, hein, ça se voit. Effectivement, les arrêts de chacha là, on s'en fout. Hop. Sega financièrement depuis toutes ces années, ils n'ont plus que des jeux à faire et le résultat n'est toujours pas brillant. Honnêtement, quand je regarde la bourse. Ils sont vraiment borderline. Ils sont vraiment borderline. Je sais pas comment ils tiennent. Vraiment, je sais pas ce qui les fait tenir à ce jour. Mais ouais, ils sont vraiment limite. C'est vraiment la limite du banqueroute, quoi. Je veux dire, ils avaient un service de borne d'arcade au Japon. Ils l'ont vendu. Donc, ouais. Ça va vraiment pas fort, quoi. Je sais pas comment ils tiennent. Je sais pas comment. Vraiment. Je pense pas qu'ils remontent un jour la pente. Hein. Ou alors ils vont prendre un truc vraiment de ouf. Et ça va les sauver au bon moment. Mais là, pour l'instant, c'est mal barré. Hein.
Ah si, j'ai peut-être trouvé. C'est parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui il y avait un con, il a acheté sur Steam le jeu. Ah, c'est peut-être ça, tiens. Ils se sont dit, c'est bon, on est sauvés de la banqueroute, les gars. Il était dans la démo B de Sonic Adventure DX. Ah ouais? Il y avait une démo de Sonic Adventure donc. J'aime beaucoup ce robot, c'est qu'il te fait subir. C'est pas vraiment des miroirs, mais des personnages qui sont répétés probablement à cause des éléments de décor différents d'un côté à l'autre des miroirs. Ah, j'ai pas fait attention, mais du coup, c'est plutôt bien fait là. Ils ont bien géré le truc. S'il n'y avait pas le robot, tu aurais apprécié plus les niveaux. Avec le gameplay de Amy, je pense pas. Honnêtement. Je trouve tellement rigide et tout que ouais, c'est compliqué. Là, le robot, il ajoute quand même une petite touche de stress dans le niveau, quoi. Il faut qu'ils fassent 50 Sonic Mania. Bah ouais, il faudrait qu'ils refassent un Sonic Mania, hein, mais ils sont tellement cons qu'ils vont pas le faire, c'est ça le problème. Ils préfèrent ressortir Sonic Colors, qui... Enfin, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus, hein, mais je veux dire, je trouve que c'est pas intéressant de l'avoir refait, sachant qu'il y avait les Adventures, par exemple, qui auraient été plus intéressants, ou refaire Sonic Adventure 3, ou un Sonic Mania, ou... Ou une autre licence, un autre Sonic, quoi. Je veux dire, s'ils se bougent un peu les fesses et qu'ils réfléchissent un minimum, ils peuvent sortir un bon jeu, quoi. Mais apparemment, ces gars, ils n'y arrivent plus, quoi. C'est pour ça que j'ai fait des fan games, quoi. Genre, les fans, ils arrivent à faire mieux que ces gars. C'est dire quand même le désastre, quoi. Ils n'y arrivent plus, hein. Faut qu'ils changent. Ou alors il faut qu'ils changent effectivement les personnes qui gèrent les jeux Sonic, parce que là ça va plus, quoi. Je sais plus comment il s'appelle là, il a une tête de fou un petit peu. C'est un des créateurs de Sonic, je crois, hein. Mais bon. Je crois que franchement il est plus capable. Hein. Ou alors c'était l'autre, le deuxième créateur qui était, qui avait plus la tête sur les épaules et qui réussissait à faire des bons jeux. Je vois que ça. Oh yes, un chasse-taupe, c'est génial. Ça va hyper vite. Et, vas-y, mets encore plus vite. Mais ça me pète tout. Mais ça va super vite! Game over. Génial. J'ai passé un excellent moment, je peux partir. Ah non. Je suis obligé. Ah, c'est 2000. Oh, c'est génial. Mais il me pète les robotiques, mais je veux pas, je veux péter les Sonic juste. Wow! Le doublé. Ah là là. You get the quoi? Oh, hey,
elle a un accessoire de mode, mais c'est de toute beauté. Now you can do the spin hammer attack. Press and hold the action button and move the directional pad in a circle. Ah oui, je me rappelais plus de ça. Nuage magique. Non, 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 je veux pas refaire ça. Oh non, pitié. Ouais, là, je peux pas rentrer. Et là, je peux rentrer. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est le niveau 2. Parfait. Il y a eu des démos donc sur PC et sur console de Sonic Adventure DX en 2004. Sérieux? Ah ouais. Open the door. Yeah, open the door. le sage de cette année. Alors j'ai pas tout vu, mais j'ai vu bah, qu'il y avait donc le Sonic Classic 2 là qu'on a fait en live. Est sorti donc bah celui on l'a fait en live et d'ailleurs il y a une mise à jour qui est sortie qui corrige quand même quelques bugs et autrement bah j'ai vu d'autres jeux hein. j'ai plus les noms en tête mais va falloir que je teste ça hein. Il a l'air d'avoir des bons petits jeux. Quel déhanché. Parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on ouvre une porte. Putain, tu as suivi du coup le sage ou pas? Parce que vraiment il y a des jeux qui avaient l'air excellents. Alors, si j'étais Sega, j'engagerais un grand coup de dollar tous les devs surexploités de Naughty Dog qui se sont barrés. Ah oui, non mais voilà. Il y en a plein qui recherchent du travail, hein, qui ont été virés et tout. Pourquoi ne pas les engager? Évidemment qu'ils seront heureux de travailler là-dessus. Hein, et je pense qu'ils feront un excellent boulot. Hein. C'est sûr et certain. Hein. En tout cas, ce sera largement meilleur. Je code avec le cul. La 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 la. Si ça marche pas, la la la. Ouais. Ouf, on a réussi à s'en sortir, dis donc. Eh ben, dis donc. C'est tout bugué. Vas-y. Et va-t'en! Ah la musique! Franchement, la musique là, elle est excellente. Oh, mais c'est pas vrai! Lâche-moi les baskets! Loul, on va se revoir un de ces quatre, hein. Oh, ce bordel. Alors, attends, du coup, donc, ça, j'ai lu. Robotnik a encore sa tenue de la version classique. Ils ont pas changé, les cons. Je suis en train de faire des lives. Ah, tu fais des lives dessus Ah ouais. Ça va être intéressant, ça, dis donc. Alors, allez, jeter un petit œil là-dessus. Voir ce qu'il y a de beau. Parce que, encore une fois, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits jeux sympas, là.
Parce que c'est pareil, le projet Sonic 2022, là, pour l'instant, on n'en entend pas parler du tout. Mais zéro info. Je rêve où Amy vient d'absorber un bambi. Non, tu rêves pas, Demo. C'est bien ça. Elle a absorbé Bambi. Sans aucune vergogne. Je suis pas sûr que les devs de Naughty seraient ravis de travailler là-dessus du tout. Je veux dire, on parle de Sweating, donc Sega pourrait y mettre le prix. Oui, bah oui. Non, mais après, une fois qu'ils ont l'argent, je pense que eux, tu leur donnes n'importe quel jeu, ils se foutent. Hein. Du moment qu'il y a le pognon qui suit derrière et qui sont traités correctement, je pense que bon. Oh merde! Je pense que là ils s'en foutent. Hein. Surtout qu'en ce moment on en parlait beaucoup quand même des conditions de travail quand même déplorables des développeurs de jeux. Si tu les traites bien et que tu les payes, bah, je pense que derrière il n'y aura aucun souci. Ils arriveront à te faire le jeu bien comme il faut. Parce que tu regardes maintenant, ils sont tous. Enfin, ils ont tous des scandales par rapport à tout ça. Hein. Conditions de travail, le sexisme et tout le poutine, quoi. Pas un qui échappe. Hein. Tout Ubisoft là où ils ont quand même éclaté au grand jour que les conditions de travail c'était juste infâme, ça devenait n'importe quoi. Hein. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça c'est encore autre chose. Alors le fil rouge sur le bouton rouge. Oui, là. Le fil rouge. Mais prends-le! Oh putain, mais utilise pas ton marteau! Mais. Putain. Prends-le! Et voilà. Mangeaille ça le drôle. Cours astérisme, cours. Oh, j'allais vous lire, mais évidemment il y a le robot qui revient. Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a jeté. Oh non, elle l'a jeté où? Là. Tu commences à me gonfler, tu le sais ça? Et tu prends bien ton temps aussi, hein, y a pas de problème. Mais. Quelle satanerie ce truc quand même. Tiens. Alors le rouge, il est là. Il en manque un, qui est donc en haut, je crois. Hop. Culotte. Alors, on avait dit qu'on faisait exploser le compteur. Hein. On avait dit. Ah non, pas, ils sont vachement longs hein, les niveaux. Vache. Alors. Pour de bons développeurs, l'argent n'est pas la seule donnée. La réputation est encore plus importante. Il ne s'agirait pas de ne pas détruire sa carrière sur un navet.
Oui, bah oui, après, c'est sûr que si on dit j'ai travaillé sur Dragon Slayer, bon. C'est sûr, ça donne pas envie. Hein. Loul. New gratuit? Ah oui, il est gratuit sur quoi, Doc? C'est vrai que c'est bien que l'on parle plus qu'avant des conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo, même si je suis pas ça de près. Bah, je suis pas non plus de super près, mais j'ai lu comme quelques articles qui disaient quand même que c'était vraiment c'était chaud quoi. Ils travaillent tout le temps, n'importe quand. Il faut y recommencer les projets et tout. Enfin, c'est un calvaire. Hein. Le problème, c'est que les jeux deviennent de plus en plus gros, avec plus d'ambition et tout, et les délais, bah, ils essaient de faire le plus rapide. Sauf que c'est pas jouable du tout, évidemment, parce que bah, il faut tout tester, enfin, il y a des imprévus et tout, donc c'est normal. Alors c'est pour ça que, à titre personnel, quand on dit le jeu il sort à telle date, ouais, mais non. Enfin, tant qu'on n'ait pas la date, en fait, j'y crois pas. Parce que bien souvent, enfin, les trois quarts du temps, maintenant, ils retardent le jeu. Donc, bon. Donc, ouais, pour devenir développeur, quand même, faut être motivé. Faut être vraiment sûr de vouloir ça, quoi. Bon, par contre, où est-ce que je dois aller? Je sais plus. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que c'est par là? Non, pas du tout. Alors, c'est peut-être à l'entrée. Si tu veux, c'est pas du tout ce que je voulais faire en plus. Donc, ouais, je crois qu'il faut partir. Ouais, c'est ça. C'est bien chat. Les victimes n'ont aucun intérêt à raconter des cracks en fait. Ah oui, non, mais après, t'as toujours des mythos. Hein. T'as toujours des mythos. Au milieu du jeu vidéo, c'est tout simplement comme n'importe quelle entreprise ces dernières années. C'est le modèle qui est pourri et la raison pour laquelle il y a tellement de burn-out. Bah oui, non, c'est sûr qu'il n'y a pas que le jeu vidéo, mais je pense que le jeu vidéo, c'est quand même bien plus concentré quoi, par rapport aux autres entreprises. Tout ce que tu fais est chronométré sans cesse, que toutes tes actions soient analysées, optimisées, évaluées en continu. Avec la pression McDonaldisation, tu ne peux que tomber malade. Bah oui, non mais c'est clair. C'est clair. I wonder if I'm dreaming. Oh my, I need to get out of this place. C'est un système malsain qui a fait son temps et touche à sa fin. Bah espérons, parce que je veux dire. Enfin, quand tu mets pas la pression H24, que tu laisses quand même un peu de liberté à ton employé et tout, bah, tu te rends compte quand même que tu bosses mieux et plus efficacement, forcément. C'est logique. Ça, il y en a qui sont encore dans la mentalité, non, il faut pousser à bout, tout ça. Non, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Tous les modes de perso qui existent, je me demande si quelqu'un fera un mode qui cache sa culotte. À mon avis, s'il y a un mode qui existe, c'est pour l'enlever et pas la cacher, hein, je pense. Connaissant le monde d'internet et les modes. Ah, sur l'Epic Game Store, ah oui.
Si vous étiez investisseur, dans quel studio actuel investiriez-vous? Dans quel studio? C'est une bonne question. Doug qui répond au studio Disney. Ah bon? Soit dans un studio indépendant, genre Sabotage Studio, là, qui a fait Messenger, ou un jeu comme... qu'est-ce qu'il y avait comme autre bon jeu indé? Amy, qu'est-ce qu'il y avait comme autre jeu indé? Je me rappelle plus. Je sais plus, enfin bref. Une société comme ça, ou bah, une grosse qui est fiable, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il y a en grosse entreprise? Peut-être Ubisoft. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure, mais bon. Ça arrive quand même à faire des bons chiffres à peu près. Ouais, elle était dans le passé, Amy. Elle avait une sorte de flashback. Pas plus concentré, c'est juste qu'il y a une mise en lumière de problèmes dans le jeu vidéo. C'est partout pareil. Oui, peut-être que t'as raison. Oui, peut-être qu'il y a effectivement un... Comment... Je lis en même temps l'histoire, hein, même si je la connais. C'est vrai qu'il y a peut-être eu une petite fixette sur le jeu vidéo. Vu que, il y a quand même beaucoup de monde derrière ce hobby. Peut-être que du coup, oui, les gens se sont mis là-dessus, c'est pas impossible. Parce que pendant un moment, t'en voyais quand même, enfin, tu entendais pas mal de choses là-dessus. Les victimes se font tellement bâcher dans les réseaux sociaux qu'à moins d'être naïf, la personne n'aura juste pas intérêt d'inventer du caca. Ah bah si, c'est sûr que si elle se fait gauler à dire de n'importe quoi, elle est mal. Elle est très 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 mal. Parce qu'elle va se faire défoncer de tous les côtés. Ah oui, Playdead qui ont fait Limbo, ouais. Voilà, ça c'est effectivement c'est des bons studios. Mais ouais, studio indé, je pense que si tu choisis un bon studio indé comme cela, effectivement, je pense que t'as moyen de te sortir un petit paquet d'argent, clairement. Ah oui, les dots émus, bah oui aussi, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait du bon boulot. Si je dis pas de conneries, ils ont fait les Wonder Boy. P-Cube, c'est Tormented Souls, ils ont la cote en ce moment. Bah voilà, oui. Du coup, oui, faut investir là-dessus. Est-ce que t'as vraiment investi là-dessus, démo ou pas? Parce que honnêtement, je pense que ouais, ça peut être une bonne source de revenus, hein, si tu mises là-dessus. Have been seen entering and exiting the jungle. Ouais, bon, je pense qu'on va faire encore ce niveau et puis ça sera bien pour aujourd'hui, hein. Ça sera un bon live déjà. Ça fera combien là? Oh, on a plus de 3 heures. Ça sera très bien. Oula, oula, shipping. Vache.
Où est-ce que je dois aller, que je me rappelle là? La statue qui s'ouvre. Tu n'as pas investi, mais si je devais miser, ce serait sur du jeu indé, oui. Les grosses machines rodées Apple Ubisoft sont en vitesse de croisière, leurs actions sont déjà très chères. Ouais, c'est vrai, oui. Je me demande à combien elles sont d'ailleurs. J'ai jamais trop regardé sur la bourse, un petit peu combien c'était, comment ça se passait tout. Et oui, c'est vrai que du coup, ça doit être très cher. Ça a coûté bonbon. Le bingo. Alors, PQ par contre n'est pas encore introduit en bourse, mais il y a d'autres moyens d'investir dans une entreprise. Alors, Apple 154,97$ l'action. Ouais. Ubisoft 55,50 l'action. Ah oui. Ça fait mal au cucu. Hein. J'avoue que ça m'intéresserait quand même de pouvoir au moins essayer une fois d'investir là-dedans. Je pense que ça doit quand même rapporter un petit peu ces trucs là. Avec une action t'as rien du tout, faut des milliers pour gagner des dividendes intéressants. Bah oui, non mais c'est ça. Parce que là du coup, investir là-dedans dans ces trucs là ça sert à rien du tout. Rien de rien. Fuyons, messire. C'est la bonne. Oh le bingo. Ah non. Ce vieux troll. Oh, encore un vieux troll. On a perdu à ce mot au fait. L'investissement en bourse est beaucoup plus profitable annuellement que l'immobilier. Bah oui, parce que du coup l'immobilier, enfin tu as les impôts, toutes ces taxes en plus qui s'ajoutent. Alors que l'action, enfin, je pense pas que t'aies quelque chose dessus, enfin, un impôt ou je ne sais quoi. Perdu à ce mot, gagné des mots, est-ce qu'on n'a pas gagné au change? Ah, ça dépend. Hein. Value sur le capital sont un peu. Ah ouais, c'est imposable. Oh les salauds. Aïe 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 aïe. De toute façon, faut toujours payer. C'est triste.
Ouais. Bon. C'est de se mettre un endroit sympatoche pour s'arrêter là. Je peux pas sauter plus haut là, sérieux. Voilà. Et bah voilà, c'est très bien ici. Quel beau plan. Alors. En France, je ne connais pas bien, mais il semble que le capital est imposable en lui-même. Grosse différence avec la fiscalité belge. ISF a-t-elle supprimé? Ah non, ouais, c'est vrai que je crois que non, ça n'a pas été supprimé, ça. L'impôt sur les grosses fortunes. Faut que tu payes, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Exact. De toute façon, hein. Toujours payer. Hein. T'as pas de thune, tu payes. T'as de la thune, bah tu payes aussi. D'accord. Ah, d'accord. This place is great. Ah là là là. C'est triste la vie quand même. Hein. Tu te prives pour des choses et finalement, eh bah, tu dois quand même payer. Plus de trucs que tu ne veux pas forcément. Ce robot en veut à la petite personne d'Amy. Ah, il lui en veut personnellement. Personnellement, les gars, attention, c'est une vengeance. Voilà. Ouais. Il a été rejeté en juin 2020. Forcément. Grosse fortune. ISF, c'est surtout impôt sur la fortune, petite ou grosse, dès 1 million, il me semble. Sérieux. Bon, après, si t'as 1 million, ça va. Tu peux payer une petite taxe. Hein. C'est une goutte d'eau dans la mer. Attention, s'ils veulent pas 1 million, moi je veux bien, hein, y a pas de soucis. Bref. À 0,5% d'ISF, ça parle quand même. Hein. Ça parle quand même. Après, il doit bien brasser. Du coup, si paye ça à Paris, c'est que ça marche quand même plutôt bien. Tant mieux pour lui. Hein. Tant mieux pour lui. Ouais, du coup les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reprend le live avant Monsieur Grand Cornichon qui live à 21h45 précise? Attends, sur 1 million, ça fait 50 000 € par an sans compter l'imposition régulière sur le revenu, 30%. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que quand tu calcules, ça fait mal au cucu. Ça fait mal au cucu. Non mais c'est vrai que on te fout des chiffres comme ça, mais c'est vrai que tu réfléchis pas, enfin tu prends pas la bonne manière de raisonner quoi. Tu te dis ok, c'est 0,5%, bon, c'est rien du tout. Mais quand tu calcules, oui d'accord, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait mal au cul.
50 000, faut les sortir, hein, mine de rien. Les riches sont trop riches et les pauvres sont pas assez pauvres. De toute façon, comme a dit monsieur Louis de Funès, les pauvres c'est fait pour être pauvres et les riches très riches. C'est toujours d'actualité. Ah, tu vas live monsieur Desmoines, pas tout de suite, mais dans pas longtemps. Et bah, très bien. Ça a été remplacé par l'IFI en 2018, impôt sur la fortune immobilière. Mmh. Il y a un hôtel de 54 chambres dans le 3ème avec le Covid, c'est pas ça. Ah bah oui, forcément là, ouais. Avec le Covid, il a dû souffrir. Hein. Il a dû pleurer le pauvre. C'est pas le seul, mais oui, j'imagine que hôtel, là, c'est... Ça doit être horrible. Attends, j'avais entendu parler, d'accord. Parce que moi, j'avoue que IFI, ça me parlait pas du tout. IFI, ok. Alors que impôt sur la fortune, ouais, ça me parle. Mais bon. Cadeau de Macron, voilà, c'est ça. C'est le petit cadeau avant le départ pour les élections. Le monde devient fou. T'as rematé le débat Le Pen-Macron au deuxième tour. Oula, t'aimes bien souffrir quand même. C'est presque comme si tu jouais à Dragon Slayer 15 fois dans la même journée. Un petit peu. Tu serais curieux de comparer le bilan de Macron avec les promesses électorales de l'époque. Bah, soit il serait très con et il y aurait encore plus de votes pour lui, soit bah, ils ont réfléchi et du coup il y aurait moins. Bon, ça j'y crois beaucoup moins, tu vois. Bonne soirée Benjamin, merci d'être venu et d'être resté jusqu'au bout. Quel talent ce Benji. N'empêche, je me demande ce que ça va donner là aux prochaines élections, hein, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent voter. Hein. C'est de pire en pire, hein, et je pense que ça va continuer comme ça. Hein. C'est ça, les gens ils se désintéressent de plus en plus à la politique, parce que de toute façon, quoi que qu'on dise ou qu'on fasse, ça change rien. Donc... En fait, les gens, ils en ont marre, quoi. Ce soir, je serai pas là. Ça marche, Benji. Bah, bonne soirée à toi, et puis à la prochaine, du coup. Il avait annoncé moins 3 points de chômage. Ah oui. Ah, je sais pas à combien il est, mais il y est pas, à mon avis. Hein. Tant que le vote blanc n'est pas pris en compte... Ouais. Sonic Adventure, quelle honte, je me désabonne. Ah, monsieur J.O. Il arrive à la fin en plus. Ah, il fallait qu'on les fasse, les Sonic Adventure. Ils sont bien, ils sont très bien. Oh là là. Il y a juste quelques petits soucis. Je code avec le cul. La 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code avec le cul, la 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 la. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. Il me semble que j'ai téléchargé une autre soundbox, tiens. C'est étonnant que je la vois pas. Ou alors j'ai mis dedans, je sais plus, tiens.
Je suis en train de regarder. Si je l'avais mis, je sais plus. Je sais même plus ce que j'avais mis d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais mis comme autre connerie? Ah, je sais plus. Ça peut pas être intéressant, loul. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Faire un live prochainement avec ton autre frère. Ah bah comme ça on aura toute la famille de JO. Très bien. Ah, j'ai toujours pas regardé le Street of Rage 2 et 3. Hein. J'ai vu le 1 mais pas le 2 et 3. L'idée que ça changerait est une illusion, ça pourrait être bien pire très facilement, très rapidement. Oui, je pense, oui. Après, faudrait vraiment qu'il y ait masse d'intérêt, quoi. Le problème, c'est que, comme dit, les gens, ils se désintéressent de plus en plus, donc ça va être compliqué de les faire revenir, quoi, dans les bureaux de vote. Après, il y a quand même quelques jeunes qui s'y intéressent, heureusement, mais ouais, c'est de plus en plus rare, hein. Merci pour cette interprétation a cappella. T'as eu ça un peu? Ça venait du cœur. Il a insisté pour faire la campagne d'Emiro, son personnage favori. Alors, j'ai rien fait du tout, c'est Demohan qui a insisté. Non, mais oh. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est fou, ma parole. Il est fou, Afflelou. Ouais, non, Amy, c'est pas le meilleur perso, en tout cas. Carrément pas. Mais après, il me semble qu'on est quand même pas trop loin de la fin, je pense. Enfin, bref. Ça me remet la faute dessus, c'est ton live. C'est toi qui as demandé à voir Amy Rose. J'ai écouté. Parce que je suis poli. Elle fait quoi? Elle médite, elle invoque l'esprit d'Athéna. Je sais pas, on dirait qu'elle a accroupi là. En train de lâcher une caisse ou je sais pas. Son pouvoir grandit en elle. Ah, je sais pas. Ou elle se met en PLS, je sais pas. Pas clair, hein. Fait des trucs chelous. Hein. Bref. Suite du jeu, je ne sais pas quand. Quand est-ce que je pourrai live, tiens. Peut-être dimanche. Ah ouais, peut-être dimanche. Je suis pas encore sûr. Mais ouais, je sais pas. Peut-être dimanche. Parce que attends, demain on est vendredi. Ah, remarque, peut-être demain soir. On verra, je sais pas. On verra si je suis informé. Vous avez pas parlé d'un nouveau Sonic sur Angel Island? Ah non, ça c'est le film. C'est pour Sonic 2, le film. Ouais. Puisqu'il y aura Monsieur Knuckles dans le film. Il y aura donc Jim Carrey en Robotnik avec Sonic. Et puis il y aura le même gars là qui faisait le flic dans le 1, je crois, avec sa femme. Il y aura Tails, forcément. Et il y aura les émeraudes. Et apparemment, de ce que j'ai compris, ça s'inspirait de Sonic 3 et Knuckles. S'ils ont pas fait de la merde, ça devrait être un bon film. Ça devrait être meilleur que le premier. S'ils se foirent complètement, bon bah. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre suite, quoi. Mais bon. On verra bien en 2022.
Rendez-vous l'année prochaine. Bon, du coup, démo, t'as pas d'heure pour ton live, du coup. Parce que t'as dit prochainement, tu nous fais un petit... comment... cliffhanger, voilà. Je cherche mes mots. Petit cliffhanger pour ton live. Et il nous faut des réponses. Quelle heure? Quelle heure vas-tu live? Alors je dois manger et faire des courses. Je mets pas la pression avec une heure pour l'instant. Sinon le doc va critiquer. La photo doc, c'est honteux, il met la pression à Demo One le doc. Mais ça se fait pas ça non plus. D'accord, bon bah écoute. Tiens-nous au jus quand tu fais ton live, hein, Monsieur Demo One. Puis on se retrouvera chez Monsieur Grand Cornichon à 21h45 précise. C'est pas pire que le gamer quand il lance un live. Oh là là, et oh, ça tape sous la ceinture là, mais qu'est-ce qu'il attend? Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordel à nique. Tu sais ce que tu viens de dire? C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Ah ouais, il cherche la bagarre le doc, hein. Cherche les problèmes. Hein. Tension. Ce sera un live de 2h avant Grand Cornichon, donc sûrement vers 19h. D'accord. Image pas centrée, son moisi, manque de skill. Là, ça ne vous plaît pas. Là, ça vous dérange. Là, ce n'est pas bon. Tout ça, ça n'arriverait pas si tu ne disais rien. Ah là là. Y'a que ça qu'à dire. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est un mauvais membre. Le jeu était saccadé. Ouais, non mais ça c'est l'ordi qui arrive pas à faire du 60 FPS. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Demo One est mort et le doc a hérité de son âme. Ah, c'est une explication. Hein. Effectivement, hein. Il est en train de te pomper ton âme là. Te copie. L'élève dépasse le maître. C'est une catastrophe, Thérèse. Démoanisation morale. Prochaine étape, c'est le physique. Hein. Tension. Bon, bah écoutez. À quelle heure il est? Ah oui. 18h13, la vache. Encore des trucs à faire donc. Écoutez les gars, merci d'avoir suivi le live. Merci peut-être aux gens qui regarderont le replay. Hein. Sait-on jamais. Donc, peut-être demain soir, soit dimanche, on verra pour la suite du jeu. Donc, avec Amy, et puis on verra avec qui on enchaînera. Parce que là, clairement, Amy doit rester quoi, 2-3 niveaux, pas plus. On est quasiment à la fin, hein. C'est très très court. Et puis on verra avec qui on enchaîne du coup. Que ce soit un petit peu plus intéressant que Amy, parce que bon, Amy. À part fuir le robot et son petit marteau, ouais. Je suis pas trop convaincu quand même. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée. Rendez-vous chez Demo One à 19h et puis chez Monsieur Grand Cornichon à 21h45, les gars. A plus.